Bourrique chargé, pas campé, peuple haïtien. Gros pression, sanction sous dos leader nous, qui c'est ancien sénateur Guy Philippe. Commandant Guy Philippe, pas peur, li pas crainte. Li répond yo, Jean Yovlil là, entendre ça. Plus là, m'a envie fonctionner, Dieu fonctionner, ah bon? Parce que m'a crasé transition ça quand même. M'a crasé transition ça quand même. Moi envie sanctionner, mettez-moi dans tête liste là. Et mes peuple haïtien, ça qu'a parlé dans la rue, hein? C'est que depuis 17 octobre, que commandant Guy Philippe lagué, maman Pemba, et qu'il dit définitivement, nous pas qu'à une révolution pacifique encore, face avec la situation qui présentait devant là, nous vraiment regrette, mais nous obligés faire ça nous doit faire pour qu'une capable permettre que pays nous soutienne ça que le trouver là. Et mais c'est le moment pour que système nous mette pied la terre. Pierre Espérance, avec l'autre organisation bidon, criminel, assassin, gang sale, dans Port-au-Prince, qui de connivence avec un petit groupe blanc qui pas voulu à Haïti, yo al réfléchi, mette tête yon côté, tout vieux rapport que yo te gen, ki gen non barbecue là-dedans, yo ajoute Guy Philippe sous côté. Eh bien, dans ce sens, autant de yon dit comme ça que gen de experts dans les Nations Unies qui produisent un rapport qui épingle Guy Philippe comme quoi que Guy Philippe a manigancé mouvement gang dans Port-au-Prince. A alimenté gang dans Port-au-Prince. Qui Guy Philippe? Guy Philippe qui rentre dans le pays d'Haïti 30 novembre 2023. Guy Philippe qui lance la bataille révolution 1er janvier 2024. Guy Philippe qui était gonaïve 1er janvier 2024 à 2h30 de l'après-midi. Guy Philippe qui n'a Wanamet 3 janvier 2024. Guy Philippe qui était pas au prince 7 février 2024 et que le système n'a manqué tout il. Qui ça nous voulait? Nous voulons pour que Guy Philippe porte tête libanou, nous assassiner, après ça pour nous dire, waouh, il était 10, il était 2, il était ceci, il était cela. Mais définitivement, il faut que la République comprenne que. Là, moi, regardez l'image, ça, comme jeune garçon haïtien. Là, c'est Port-au-Prince en 1980. Là, c'était étranger qui était venu dans le pays d'Haïti, qui a marché pied à terre, dans Port-au-Prince. Là, je regarde l'image, ça, yo, comme citoyen haïtien, comme jeune garçon haïtien. Ton est boule, nous, tout haïtien, nous mettons foot mourir. Pour nous jouer en Haïti ça. Si nous pas jouer ni bac, que nous tous nous éliminer comme moun. Parce que le pas possible, messieurs, dames. Pour c'est comme ça, chaque le, gen yon haïtien qui décide de faire bagay pour Haïti, pour permettre que pays en sorti en sa kèl là, ou j'en un petit groupe blanc corrompu, qui pas vle haïtien, qui met tête yo avec politique criminel, pour détruire haïtien ça. Sénateur Guy Philippe, attendez ça. Ou mettre dit nous, ça n'a pas fait affaire. Oui, mandé s'il vous plaît, mettez nous dans la tête, là. On a envie de fonctionner, Dieu fonctionne. Ah bon? Parce que ma crasse est transition, ça. Ou nous isolons, ou bien transition, ça va pas mener à Haïti, aucun côté. Peuple a besoin de vivre. Nous besoin de vivre. Où est-ce que qui est intéressant? Où est-ce que le bas qui est fort? Oui, sénateur. 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 C'est parce que nous avons pris position pour le pays. Puis il y a une pression. Dieu s'il vous plaît, mettez nous dans la tête, là. Ou pas seulement dit maintenant dans tête liste là, nous mettez nous dans ça. Ou pas seulement dit maintenant dans tête liste, tu vas craser transition. Ou clair sous ça, parce que ou clair sous ça, faut mettre quitter ou mettre nous dans tête liste là. Okay, pour bagaille non, m'a bien travailler pour ça puis. M'a travailler pour mettre le dehors pour transition pour révolution après pouvoir pour transformer Haïti. Bon. Ça c'est ça m'a fait. Donc si fait... c'est exactement ça n'a fait. Zanmi frèm som k'ap tande moi k'ap gade m là. Sous plateforme YouTube, il faut mettre aujourd'hui, qui c'est 2 novembre 2024. 11e mois dans l'année. Là où même où c'est moun Port-au-Prince, en 1980, m'bot ko fait. M'bot ko paraître sous terre. Mais ou même qui dans 50 ans, kap tande m'kap gade m'la, m'sûr que, ou te là déjà, ou te vive. On t'y parti dans Port-au-Prince ça. Ou même qui a 60 ans, 70 ans, ou ka palen de Haïti sa kwa gade sou ekran la. Comment sentou comme moun pour un pays ou Port-au-Prince lan vin invivable pa gen personne qui ka campé en bas la ville lan kon sa encore. Parce que c'est fatra. La boue de l'eau senti, c'est gros rage, c'est débris, son pays qui finit. Le yon groupe neg, pren yon pays qui te comme ça, au lieu que yon fait avant ensemble avec elle,
c'est prend yo prend yo détruire net. Mais qu'on y a moi-même qui a peine dans trentaine là. Qu'on a c'est ça on m'a prend comme image référence qui montre que m'te gen pays qui était belle. Pendant que nous sommes en 2024. Messieurs dames, ça montre à clair que messieurs dames ça au qui la k'a fait politique en Haïti hein. Yo pa gen dimension d'homme d'état, yo pa gen vision comme moun ki ka dirige pays, mais yon latrine que yo pa ka dirige. Si blanc estime que c'est nèg sa k ka dirige Haïti, que il prend yo al dirige la latrine la kayli parce que nous même comme moun, nous même comme haïtien qui éclairé pour le moment, nous pa ka quitter bonne fatra sa yo sans vision sa yo, continue à détruire pays comme ça et puis même blanc sa yo a humilié nous. Là nous dans pays yo passeport haïtien logo palmis non pa vle di rien devant le monde entier encore de pour ces haïtien ou ces fatra haïtien vin sans valeur ça fait ça son groupe moun qui détruit Haïti net pendant 38 ans yo détruit pays ya en 1994 Jean-Baptiste Aristide débarqué dans le pays d'Haïti à 22 000 Marines américains pour venir aider le récupérer le pouvoir, écraser force armée d'Haïti qui était pour pays. Américain était fait. Président américain était accompagné pour venir faire ça. Mais messieurs, dames, nous pas carrément moun. Ça, c'est de bagarre qui n'est pas bon. Pour qui ça l'a pour nous écraser l'armée d'Haïti? Nous te venons avec 22 000. Marines américains. Mais je dis, depuis c'est alors 98% zam kap touye moun Haïti, sorti 2020 pour arriver 2024, c'est aux États-Unis d'Amérique qui sorti. Et puis, les États-Unis d'Amérique pas kavoye 10 000 soldats américains pour venir de nous résoudre le problème. Non. Mais en 1994, ou te kavoye 22 000 Marines américains pour devine krasé la main d'Haïti, pour devine installer, je mette Haïti dans notre pays. Peuple haïtien, ka les yeux non. Est-ce que François Duvalier te font mal? Est-ce que messieurs dames qui t'ap dirige Haïti avant yo, est-ce que yo te font des respectants? Pour qui ça? M'pa ka wè Port-au-Prince ça encore. Pour qui ça? M'pa ka wè Port-au-Prince ça que n'ap gade sur écran encore. C'est malhonnête. Pour ces images ça m'oblige à prendre. Nous sommes en 2024. Ou pas fouti ouais en lumière lumé dans la rue en bas la ville dans moment m'a pas la voilà ça pas existé ça veut dire qui ça messieurs dames nous pas pays alors le yo haïtien vini li dit que il faut que nous fait tout ça que nous capable pour nous permettre que Haïti sorti dans ça que trouver là et puis pour qu'un groupe de monde qui dit comme ça que nous prêt pour nous mettre pression sur moun yo et puis soit disant n'a sanctionné yo et bien Guy Philippe dit nous que nous mettons prendre sanction contre lui. Si nous, si le gars mis la caille nous, les dit nous mettre saisir parce que ça pas intéressé. Ambassade lui, c'est Pestel. Quand elle pi à l'aise, c'est Grandos. Quand elle pi remet, c'est Haïti. Je dis ça ta doué dans tête chaque grand haïtien. Imaginez-vous. Nous avons environ m'a dit 3 jours élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Et un ancien président américain qui menaçait pour le déporter 800 000, à peu près 800 000 Haïtiens. Font calcul. Il y a déjà un plan pour déporter 1 million de monde dans l'État Floride. Pour Bibiti, il y a 300 000 Haïtiens là-dedans. Ça veut dire qui ça? Il y a 800 000 Haïtiens qui ont quitté Haïti, qui ont établi aux États-Unis d'Amérique, et mais pas les faits qu'on pas dans le pays où. Gou président qui dit l'a déporté et depuis l'a déporté ou pas qu'a fait pas déporté ou. Et si le président, c'est ce que n'a pas le connaître si l'a président. Si c'est votre communauté haïtienne non, qu'a aidé le président, monsieur que communauté haïtienne non a pris décision qui est plus important pour communauté a. Peut-être si tout réfléchit même gens. Même sûr que la majorité que moi qui réfléchis, yon seule façon. On vote collectif, on vote qui a intérêt. Communauté haïtienne. M'a dit bravo et me salue la décision ça qui prend bon côté en pile haïtien
mais justement qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Et nous saluer et nous respecter tout haïtien qui fait choix pour que yo même yo fait yo fait vote personnel yo qui n'a intérêt personnel yo. Yo gen droit ça, yo gen droit faire choix yo, nous respecter yo. L'important. Peuple haïtien, moi commence émission aujourd'hui hein avec genre de image ça yo. Moi là. Nous on a besoin pem là, nous aime tout le temps. On mette m tout petit, on mette m sous côté là, mette m atè là. OK, mette m bio pour qu'on ait plus espace. OK m là. On commence l'émission avec image ça yo. C'est pour me permettre nous comprendre que nous gon pays qui presque disparaît. Nous devons faire un effort pour nous faire tout ça que nous capable pour que nous jeune pays ça bac. La Dominicanie prend décision en 1994. Pour le faire pays. Et m'a dit nous ça honnêtement, yo gen pays. Ça qui gen comme construction en Dominicanie, dans Punta Cana, si vous parlez avec un haïtien qui était en Dominicanie, dans l'année 2000, l'a dit Punta Cana, c'est une ville ragée seulement, c'était ragbois. Et jusqu'à maintenant, eh bien, 60% de Punta Cana pour qu'on construit. C'est rac bois piquant. Mais c'est Kounia, yo mette ville ça en chantier parce que son ville touristique que Dominique a construit, eh bien, pour que li capable attirer secteur ça et pour le faire pile l'argent. Que moi d'accord avec yo et m'bat bravo pour yo. Nous t'en Port-au-Prince. C'est wow. On nous prend une image ça encore, 1980. Benny. Palais législatif. Port-au-Prince. Est-ce que nous l'avons pas ici? Palais législatif. Port-au-Prince. Nous comprenons ça, ça veut dire. Port-au-Prince. Est-ce que nous la ferons avec ce mieux? OK? Ça, c'est parlement. Ça nous est le parlement haïtien. Sénat de la République. Te gen espace ça en Haïti. Côté li pour le moment. Li pas existé. Ça que fait le pas existé. Parce que yon groupe de nèg Haïti qui pa vle l'exister. M'kwè que après tremblement de terre, Laurent Lamotte, Matéli, te fait pose premier pierre pour te reconstruire parlement haïtien. Ça que fait pas reconstruire. Parce que tout simplement, autorité qui tap dirige à l'époque yo et parlementaire, nèg ki nan secteur privé, pa vle pour que parlement reconstruit. Nèg yo détourne l'argent. Est-ce que nous là? Image ça comme si pour pas motiver comme haïtien pour me nommer étranger eh ben il y a menacé communauté moins ça qui poko gen papier alors résidence permanente dans pays yon il menacé pour vous retourner même si yo gen un document légal nan men yo il menacé pour vous retourner alors ou gen pays ou automatiquement menacé pour vous retourner ou senti que c'est mou ou pral mourir alors nous pensons le normal en 2024 pour nous gon pays nous pèl pays propre pays ou pèl? Non. Guy Philippe dit, les mêmes comme citoyens, quel que soit le prix à payer, la goumé pour payer incapable de sortir dans ça. Yon l'autre image en plus, 80 toujours. Port-au-Prince. Est-ce que n'a pas gardé, peuple haïtien? C'était haïtien. Moi, oblige à prendre ça, yo. C'est où on tout? 1980 à 2024, calculez combien d'années le fait. Ça veut dire que, mais qui image que m'a montré ou? Comme référence est que nous avons un pays qui est propre. Est-ce que ça n'est pas dérespectant? Alors, pour ça, vous pensez que vous avez un dirigeant? Non, pas de dirigeant. Ce qui vagabond, volé, sanguiné, chien sale, qui vient prendre le pays, nous. Parce que son équipe cochon, qui t'a bien dans la boue, malheureusement, qui vient tomber dans la tête Haïti, eh bien, je dis à vous, pourri Haïti. Est-ce que nous-mêmes, comme monde, nous avons campé pour nous garder un pays comme ça? Pendant que la Dominicanie collait avec nous, les gagnent électricité 24 heures
sur 24. En Haïti, il y a un groupe dans le secteur privé qui dit que Haïti n'a pas gagné 24 sur 24 parce que yo même, si gagné 24 sur 24, il n'y a pas faire comme ça encore. Il n'y a pas accepté pour que l'État aille courant. Le président Jovenel Moïse décide d'aller courant, il a assassiné le président. Faut que parole ça, il parle. Si un blanc qui a supporté nek ça pour parler, ça ne va pas parler. Et mais que blanc ça a aidé, tu es tout haïtien. Est-ce que nous d'accord, peuple haïtien? Si Dimitri Vob, Reginal Boulos, Pacha Vob, Akra, les Meuse, les Bossan, les Boulos, comme si un blanc qui a supporté pour tuer haïtien, l'on parle parole ça, ton est boulem qui a tué nous, tout nous fini. Parce que nous avons respiré tout le monde. Nous sommes tous tout le monde. Est-ce que nous avons campé pour nous garder? On dérespecte comme ça, on paye à disparaître comme ça. Tout le monde a fait payer yo. Est-ce que nous avons campé pour nous quitter pas nous a fini comme ça? Moi, je dis non. Je dis pas possible. Et le pas doit continuer. Et nous avons goumé pour que le pas continue. Et il faut faire tout ça que nous sommes capables pour nous retirer Haïti en bas de la main de la. Et c'est ça que Guy Philippe dit. C'est ça que l'a fait. Pression a pété en vertu en vrai là comme si comme quoi que n'a sanctionné n'a dit et pour Guy Philippe sigue adelante. Parce que peuple derrière, s'il a sanctionné, il a sanctionné le peuple haïtien. Parce que c'est le peuple qui choisit ou. Mon cap sanctionné a la prend sanction contre peuple là comme Jean-Bertrand Aristide. T'es fait pour sanction contre peuple haïtien, il était fout en bas sous pays là et ben blanc ça a dégagé yo. Yo met en bas go pa yo sous pays ça, le peuple a choisi Guy Philippe. Le monde entier va well. Fois ça parce que nous pas ka la cola avec États-Unis, nous pas ka la cola avec la Dominicanie, nous pas ka la à terre là messieurs dames. Pour nous n'être ça, chaque monde qui vient pour faire effort et puis vagabond gen support des moun nous tande ou douce blanc cap supporter pour aider yo kembe nous n'être ça. Monsieur. C'est grave. C'est malhonnête. C'est méchanceté. Stanley Lucas fait une intervention aujourd'hui hein, et que m'pral partager ensemble avec nous. Et il parle sous élection États-Unis d'Amérique, il parle sous et capable dit et de l'autre point encore l'actualité a et complot qu'a fait pour jeter Gary Conille et nous pral parler, nous pral fort en ça yo dans émission ça parce que il est très important pour que nous partager intervention ensemble avant surtout le Stanley Lucas parlé. Et il est pas encore oui, on garde l'autre image encore 1983. Oh monsieur. Oh l'Éternel, dis au mon nom. Donc t'as des non. Quand une équipe sans avis ça au sorti Haïti, il vient tomber dans la tête. Bon moi 1951 Jacques Mel. 1951 Jacques Mel voilà. Jacques Mel lui, la caille en moi. Monsieur oh, quelle la vie. Et peuple haïtien, qui ça n'a pas fait même? N'a pas abandonné? N'a pas vague? J'espère que haïtien, non, faut-il parler pour nous, non, mon Jacques Pelmoyo. On nous faut-il garder l'image ça toujours. Matissan, 1980. Devant l'église Saint-Bernadette, pas vrai? Qui est-ce qui a confirmé ça pour moi? Devant l'église Saint-Bernadette, je dis là, li impossible pour yon machine fréquenter route Matissan a pas des machines nèg qui habitent village Grand Ravine Tibois a pas des machines gang yo pas gen pièce moun ki ka sécurité sur route ça parce que nèg armé couper route là. Est-ce que nous la peuple haïtien nèg armé couper route là route la pa jamais débloquer même parce que bon nèg dans secteur privé qui gagne plusieurs bateaux qui transporter camion sorti Port-au-Prince pour rentrer l'Angra Sud. Bateau sa yo, yo plus passe, yo pote camion yo plus passe $1,000 américains. Ça veut dire, imagine ou, on est pour bateau, pour au prince, pour li la geli, nan prête, Léogan ou bien, la geli nan sud, ou nan $1,000 à $2,000 américains. Dim si route Matissan sa ap jam débloqué. Bam yon moyen pour route sa débloqué. Impossible. Ça veut dire, ka comprenne. Je dis, faut ka comprenne que, l'on est dans le secteur privé, pas jam di quick la, li même, ça fait pas le correct. Business n'est pas crasé. La fait l'argent dans sang. La fait l'argent dans saleté. La fait l'argent dans insécurité. La fait l'argent pendant que Timoun pas qu'à l'école dans le pays. La fait l'argent pendant que on pouvoir que mon peuple dans colette. La foutre au clé coup. OK? La tout fait ou?
pour yon capable continuer kembe Haïti là. Jodi nou vin di fòk Haïti soti là. Quel que soit le prix à payer, nous obligé prendre décision pour nous retirer Haïti l'entrou sa ke nèg yo metel là. Et me dit si ou peut comme haïtien ou pas capable rentrer dans combat. Parce que ça qui passé. Nagate yo gon gen bagay ki yo fè ou. Yo fò senti que de pou parler c'est comme si m'a dou son criminel koyé, son terroriste koyé. C'est comme si son bagay ki normal pour ou même comme citoyen haïtien pour camper pour regarder pays ou cap dé pas fini. Monsieur, comment tu ka comprendre un pays? Gon génération politicien qui prend pays qui t'est propre et puis yo fini pays à net. Et puis vous pensez que son bagay qui normal pour même comme citoyen qui juste besoin côté pour moun vivre tant que moun et qui passe côté moun vivre tant que moun. OK, là en Dominicaine peuple dominicain a vivre tant que moun et pour même comme haïtien là en Haïti pas vivre tant que moun. Les haïtiens a vivre États-Unis, li wè comment moun vivre, li wè comment l'état eh ben présent dans communauté avec l'argent taxe peuple là. Li wè comment l'état respecte l'argent taxe peuple. Le voit comment peuple respecter l'argent l'état tout. Le voit comment peuple fonctionner. Alors pensez que on haïtien responsable a ka camper pour le garder un pays a fini comme ça pour pas dire rien. On pense que nous fait preuve de un peuple qui très patient. 38 ans après nous ta doué révolter. Nous ta doué faire une révolution. Garçon pas campé pour déraciner nèg dans pays ya. Ce que nous pas fait parce que nous toujours mettre dans tête nous monde qui la yo peut-être qu'a changé. C'est pas le cas. M'a dit nous bonjour, bonsoir, on compte avec nous. Encore une fois son plaisir. Désolé. Et nous allons attendre Stanley. Nous parlons de Stanley Lika, qui fait une intervention, qui m'estime qui extrêmement important dans l'émission. Mais entre-temps, est-ce qu'on n'a pas une raison pour une bataille? Qui t'ont dit commentaire? Lorsque vous avez images de pays, est-ce qu'on n'a pas une raison pour qu'on goûte, pour dire ma baye tête, ma baye vim, pour m'gon Haïti? Tout pays a pas avancé, messieurs, dames. Faut ambitieux, faut gagner yeux calés tout, faut dire. Si tout pays a pas avancé, moi pas ka camper garder. Est-ce qu'on prend? Moi pas ka camper garder. Et faut que moi fasse bagay. Faut que moi goumen. Si gon groupe moun ki bloqué m pour me pas mettre pays nan côté me vle là, pour me pas jwenn Haïti ki me vle, eh ben et sak pipiti la va pas en bas. Moun ki gen blanc kay del vin bataille là. Tout peuple haïtien a garder là pour ki blanc a vinn de la bataille parce que nous pas ka peuple blanc non. Nous c'est haïtien, d'accord avec m? Si nous c'est haïtien et nous pas peuple blanc. Nous pas peuple blanc, ça veut dire que désolé m'a retiré et m'a bon, m'a quitté parti dans drapeau, m'a pas retirer tout. Mais on connaît, faut me débarrer me tout Stanley. Voilà. Stanley Lika. Et moi si me t'a quitté plus dans drapeau, oh, m'a pas quitté plus dans drapeau, oui. Et Stanley, on va me quitter plus dans drapeau. Ah, m'a quitté plus. Voilà. Et Stanley Lika fait une intervention. Jodia que nous devons attendre parce que monsieur dit des bagages qui sont extrêmement importants et on est dans l'émission ça. Nous pensons que les très intéressant pour nous attendre intervention et Stanley Lika. Parce que je me dis Stanley justement a mené une bataille qui c'est même combat qu'on a mené. Et Stanley fait intervention ça qui nous estime qui extrêmement important
pour nous partager ensemble avec vous. Nous prenons le temps de Stanley Lika qui parlait. Pardon. Et désolé. Il y a le grip. Et tout à l'heure, nous parlons de Stanley Lika qui parlait hier dans l'émission Freno et Busta John. Après l'émission, ça parce que Stanley Lika fait des points qui sont extrêmement importants qu'on ait depuis Stanley Lika parler. Faut nous attendre. En attendant Stanley Lika la parler, papa ici. Pour avenir pays, pour démocratie, pour développement. Yes. Très content encore, Stanley, d'être avec nous dans l'émission et population encore. Très content, et bien, tant de voir une autre fois. Stanley, nous connaissons que États-Unis, dans le moment, gagne élection, gagne en pile gros mouvement. Et capable même tout des surprises, nous pas jamais connaît qui ça va passer, qui analyse sur élection États-Unis, impact sur Haïti que vous pensez qui arrivé dans le moment, qui sont pensé de, qui analyse qu'on gagne des élections américaines dans le moment, Stanley. Bon, on connaît américain yo m'a dit qu'a vinn là pour aller voter et pour choisir 47e président des États-Unis. OK. Et bien entendu, système électoral américain, son système électoral très complexe. Et en général, l'élection a commencé 2 ans avant l'élection. Côté gain élection interne qui fait dans chaque parti politique, parti républicain, parti démocrate. Très bien. Pour que même parti a choisi une leader parti pour être candidat à la présidence. OK. Et dans le cas démocrate, c'était président Biden qui était censé candidat. Et après qu'il vienne faire un débat le 13 juillet, et côté débat a passé mal pour lui, démocrate a décidé de mettre les deux côtés. Et c'est pour ça que démocrate vient avec un autre candidat pour remplacer, qui est vice-président des États-Unis, qui sont ancien sénateur de Californie, qui est Kamala Harris. Et bon côté républicain, il a fait l'élection par tout, côté que il y a plusieurs monde qui étaient venus candidat à la présidence. L'élection qui est faite dans le parti républicain, c'est Donald Trump, ancien président des États-Unis, et 45e président des États-Unis, qui a choisi pour être candidat à la présidence. Donc, depuis le processus électoral est gourmé pour président commencer. Depuis ma observé l'élection aux États-Unis de 82-83 à nos jours, c'est l'élection qui est plus brutale que m'observe. Pas brutale dans le sens de violence, okay. Mais brutale dans le langage pour Jean Goumen red et Jean Goumen du. Okay. Et pas un passe-pouki, et il a frappé l'autre sans prendre souffle. Sans prendre souffle. Donc, c'est deux tours, ça y est, Kamala Harris avec Donald Trump, et que le peuple a décidé qui est là-dedans. Bien entendu, il y a des États qui commencent à voter bonheur. Et donc, bon, c'est d'État qui gagne, chaque État gagne un système électoral par eux. Donc, gagne qui votait plus bonheur que l'autre. Ben, on va qui certain, mardi soir, il va le compter. Donc, dans l'élection, ça, Kamala Harris lui-même, libre en position pâle. Dossier qui est important pour lui, c'est avortement, et c'est changement climatique, et c'est et dossier santé, et puis économie hein, d'une façon générale. Il a attaqué Donald Trump directement. Il dit que c'est un dictateur qui est lié. Il dit que Donald Trump semblait avec leader nazi Adolf Hitler. Donc, attaquer, c'est parti, attaquer aux dîners que vous avez. C'est by brutal net. Et il y a 8 dossiers qui dominaient l'élection américaine dans le année ça. Premier dossier, c'est l'économie. Vous mettez là dans l'inflation et la vie chère. Deuxième dossier, c'est dossier immigration. Et troisième dossier, c'est crime. Quatrième, non, c'est santé. Cinquième, non, c'est avortement. Et sixième, non, c'est politique étrangère, avec la guerre qui gagne en Ukraine, la guerre qui gagne au Moyen-Orient. Et septième, non, c'est nomination qui doit faire que le président Kabal monte à Kafet dans la Cour suprême des États-Unis. Et puis huitième, non, c'est changement climatique. Bien entendu, Donald Trump lui-même, li attaqué Kamala Harris avec Joe Biden directement. Il dit lui-même, deux mouns sa yo, c'est des mouns corrompus que yo yé. Parce que conseil des actes de corruption que yo fait pendant yo sous pouvoir. Et il dit que mouns sa yo,
yo politiser la justice pour persécuter. Et parce que il y a plusieurs cas judiciaires qui ont mené dans le tribunal. Donc, il y a sept États qui ont décidé l'élection à Nessa. C'est ça, il y a en anglais swing state, et Wisconsin, et Michigan, et Arizona, et Pennsylvanie, Nevada, Caroline du Nord avec Georgia. C'est dans cet état ça que l'élection est pour décider. Bien entendu, il y a un pile journaliste américain qui a marché à Kamala et il y a Fox News qui plus ou moins a marché à Donald Trump. Et lui-même, il mettait un système qui semblait avec Twitter, il fait propre système PAL qui est tout social que M. T. créé après que vous mettez le dehors sur Twitter. Ou qu'on est un milliardaire américain qui est Elon Musk, c'est lui-même qui fait machine qui est Tesla, et c'est lui-même qui a fait fusée pour monter dans le ciel là. Eh bien, là, monsieur était fini acheter et Twitter que qu'il y a les ex, il était remetté Donald Trump dans la place li, et côté où t'es éliminé. Donc, je viens de dire, élection, son élection serrée qu'il y a, sondage montre que candidat, c'est peut-être un point ou deux points dans sondage qui sépare yo. Donc, si on est qui est capable de gagner l'élection, nous pas connaît. Qu'il y a alors prendre deux candidats, ça, yo, ça veut dire pour Haïti. Oui. L'opin madame Kamala Harris, vice-président, et si c'est lui-même qui passait au niveau migratoire pour politique immigration, l'a continué même politique Biden, non, qui est favorable à Haïtien. C'est lui-même qui passait. Mais, en même temps, tout, et si c'est lui-même qui passait, et nous-mêmes haïtiens qu'à l'étranger, nous obligés de lever pied nous pour nous garantir que et corrompu blanc corrompu avec oligarque criminel qui participe dans tout le président Jovenel pour pas gagner en courir entre en balle et puis pour y continuer même vieux politique là. Donc ça son bagage pour nous veiller. C'est blanc corrompu yo pas laisser et blanc criminel yo ensemble à oligarque pour laisser rentrer en balle et yo sacrifier le président Jovenel Moïse yo. Et du côté Donald Trump, si c'est lui qui passe, et politique migratoire, là, va danser. Ça veut dire que tout haïtien qui gagne TPS, tout haïtien qui bénéficie de Biden, entre le 20 janvier, l'Elbrite serment, et peut-être le 30 mars ou 15 avril, il y a entre 200 à 300 000 haïtiens tournés dans le pays d'Haïti. Faut que nous parlions pour ça. Il y a un impact politique à tout le monde, ça, qui a voué tourner. Il y a un impact économique, tout, parce que 300 000 monde, ça, ils ont voyé entre 100 et 150 millions de dollars américains par mois en Haïti. Donc nous-mêmes, depuis qu'il y a, faut que nous réfléchissions et dans le cas de candidats à eux, en fonction de qui est-ce qui est président, qui vient de l'organiser nous, et pour nous, justement, goumen pour défendre l'intérêt du pays. OK. OK. Et bon, nous connaissons tous. Explication, ça, c'est important en pile parce que. Et dans moment nous sommes capables de dire gon panique et aux États-Unis d'Amérique dans communauté panouan justement pas oublier et gain plus passé et 200 000 haïtiens qui rentrent dans pays plus ça c'est 300 000 haïtiens qui rentrent dans pays ça et dans trois dernières années OK. Et OK. Et c'est haïtien qui dans TPS, haïtien qui dans bon, capable dit tout haïtien dans TPS kounya, tout haïtien ça rentre dans TPS et tout haïtien qui vient dans Biden yo avant et haïtien qui vient avant 3 juillet, avant 3 juillet bien 2 juillet 2000 et 24 là, tout haïtien ça capable rentrer dans TPS, monsieur, que yon rentre déjà. Haïtien qui vient après yo, yon a still gen statut Biden, non? Et si, si c'est Kamala qui président, et a plus ou moins gon tête fret. Mais si c'est Donald Trump qui retourne président, si monsieur Kembe même discours li yo, eh ben monsieur que bagala pa plot que et ça nous tande kap pale ya. Déportation massive. Soye Abinader l'a fait l'autre bord. Et oye Abinader l'a fait l'outande de Aïssa plein. Depuis nous, monsieur, a fait lui-même. L'a mis avion militaire, j'en dis là.
Eh bien, non, si le temps, l'a déporté quand c'était monde qu'elle voulait. Et pas oublier, mais ça prend la vie impossible. L'a coupé tout bagarre net. Ou pas permis de conduire, ou pas gagner parce que son système automatique lié, son clic seulement. Et puis ils ont donné à tout. Ou pas gagner document. Et nous pas souhaiter ça arriver là. Moi même honnêtement, je pense que l'étape important, j'ai avec Clef Jean te dit li dans l'émission que me dégance ensemble avec elle. L'important pour que mon haïtien qui a voté dans la communauté vote en faveur communauté. Ou bref, moun ki prend décision, l'autre décision, hein, ou pas ka di ou pas prendre parce que son droit qui a gagné vote moun nan, ça c'est selon les mêmes la baye vote li. Selon feeling ni, selon et sa que si l'ou a intérêt personnel li ou pas ka di l'ou pas ou intérêt personnel li. Et d'ailleurs, le moun tendance lan sur internet, lan quantité haïtien, moi qui t'a remé ou déporté haïtien, et des fois me pose cette question, qui sa haïtien fait haïtien? Qui grave non niveau pareil, pour un haïtien a souhaité mal pour l'autre haïtien. Et même haïtien qui a souhaité mal pour l'autre haïtien, les mêmes tout des fois la plein l'abdou l'envie la kaili. Qui côté? Haïti. Entendez des standards toujours non. Important. Grâce tout. Et après même porte migration complètement sous nous. Exactement, ça veut dire que eh bien si c'est démocrate là qui prend eh bien pour Haïti maintenant, là maintenant, nous parlons pour moun qui vivent eh bien la Caïroan, mais maintenant impact sur Haïti, sur système qui en dans paysan, ça veut dire pas aucun révolution, pas aucun changement qui a fait là-dedans, au contraire, avec des décisions qui apprend hors des peuples haïtiens, il y a pas pour peuple haïtien encore parce que c'est même système là qui a là. C'est ça. Et puis en même temps, tout le gars de Trump, monsieur son nèg qui approche politique, monsieur son approche transactionnelle. Il dit que monsieur toujours garde politique là, qu'on son transaction que lié. Donc étant donné que Blanc qui tue président Jovenel Moïse, yo, ensemble à oligarque, yo, c'est parce que y a un ensemble de bagay qui a besoin de voler dans le pays d'Haïti. Et nous avons l'or, par exemple, nous avons une mine d'or 24 carats qui vaut 40 milliards de dollars américains, nous avons vu une volée. Qui n'est d'ailleurs, nous avons fait un vieux contrat, et côté nous avons vu 97% dans l'or, et puis nous avons quitté 3% pour nous, et c'est le président Jovenel qui a annulé le contrat, ça, qui fait que blanté des volées là, tout le monde qui est, nous avons même besoin de citer non, okay. Et nous avons annulé. Donc nous-mêmes, dans les deux cas, il faut nous préparer pour les deux cas. Exactement. Cela veut dire que ou bien deal, et bon, nous-mêmes... Et plan qui vole, tout, il y a un projet de 120 à 200 milliards de dollars américains et au niveau de sa terre. Et premier producteur mondial de semi-conducteurs, c'est Taïwan. Okay. Et si, selon évaluation stratégique qui fait, et Chinois ont attaqué Taïwan en 2025 et 2037. Donc ça veut dire que si attaquer Taïwan, semi-conducteur a vint important. Semi-conducteur, c'est lui-même qu'on mettait pour faire tout appareil électronique fonctionner. Quel microwave, quel frigidaire, quelles sont machines qu'on conduit, quels sont les téléphones qui n'ont pas. Tout bagaille électronique, ça a besoin de semi-conducteur. Conseil de blanc besoin de voler terre que nous gagnons là quand nous, sans pas payer rien, pour y aller faire semi-conducteur, pour y préparer stratégiquement. En même temps, tout, et nous avons gaz naturel à pétrole. Et nous avons tout en bas, en mer, dans la zone Jérémy, on côté qui est dans Gomier, côté blanc, après c'est vin volé, ça nous gagne, et tout de là dans le tout, et sans que nous ne connaissons pas. Donc, je vous dis aujourd'hui, il faut que nous calégions nous sur question ça. Ok, ça que vous voulez dire, peuple là, eh bien, Chinois ont décidé pour envahir Taïwan. Mais comme nous connaissons bien que Taïwan. Non, il y a une possibilité que Chinois ont attaqué Taïwan et prennent contrôle Taïwan en 2025 et 2037. Exactement, mais là, bien gardé tout, et c'est ça que, eh bien, réponse que Vladimir Poutine te baille, eh bien, Abinader là, là, bien constaté tout, Taïwan, c'est en dedans, la Chine qui est liée, côté que eux-mêmes, eh bien, Américains et autres, besoin faire indépendant pour le retirer tête libre, pour être capable d'utiliser, même j'ai fait Ukraine avec bon, la Russie. Sous question ça, il y a deux écoles politiques sous question ça. Ok. Bon, l'école politique au niveau international qui garde Taïwan, donc on province de la Chine. Oui. Bon, l'autre école internationale qui garde Taïwan, donc un pays indépendant. Très bien. Ça, c'est ça qui est bon pour vous. C'est même, j'ai tout, vous gardez Saint-Domingue comme un pays indépendant, mais pendant qu'elle n'est pas même Baptiste, pendant qu'elle est dans Haïti. C'est ce que l'Occident a fait avec Jean des jeunes, ça y est, en dans des pays qui t'a supposé prendre responsabilité.
responsabilité yo là en aspect ça. Mais maintenant qui ça qui a passé qui pas le passé après l'élection ça avec Justin Trudeau qui kembe monopole haïtien qui lui-même avec mouvement CARICOM cap dominé cap prend des décisions sur Haïti pendant que lui-même il était demandé peuple là ouvrir les yeux pendant que lui-même il était dit peuple là eh bien pas oublier c'est nous-mêmes qui pour prendre décision nous vient constater ouais gagne un peuple comme si qui complètement ignorant maintenant que yo imposé le CARICOM pour capable dominer Haïti soit penser de ça qui va le passer avec Trudeau. Bon, et premier ministre Canada, Justin Trudeau, son équipe est difficile. Et ça veut dire que l'MC était monté sous pouvoir, taux de popularité est à 63%, aujourd'hui, il y a entre 26 et 28%. Et l'autre prend parti libéral là, qui s'est parti côté l'Isotia, il y a 153 députés là-dedans, et dans 153 sièges qui ont gagné dans le Parlement canadien, il y a une réunion qui était faite. Et mercredi passé en haut, côté et parti libéral là, ouais, que si vous quittez Trudeau sous pouvoir toujours, et l'ika catastrophique pour eux. C'est pour ça qu'il y a 50 députés en deux partis qui m'ont dit monsieur démissionner. Mais jusqu'à présent, monsieur Poko décidé et qui ça l'a fait. Et bien entendu, en deux partis, il y aurait plusieurs possibilités de remplacement Trudeau comme premier ministre. Et yo gade Mélanie Joly qui c'est ministre affaires étrangères partie qui ta kavin premier ministre, yo gade Christian Freeland qui c'est ministre finance, et yo gade tout et François Philippe Champagne qui c'est ministre innovation et qui ta vinn remplacer Trudeau. Mais konkou konnen Pierre Poilievre qui c'est leader de l'opposition qui n'a parti conservateur et yo même et il y a essayé garder et qui j'ai au ca mettre libéral yo net à terre. Bien entendu, gain nouveau gain bloc québécois qui gon rôle important ou gain monsieur NPD qui c'est nouveau parti démocrate là qui gain 25 sièges dans parlement qui gain là-dedans et leader qui relé et Jacques Messing et monsieur a réfléchi qui Jean et li prend distance li a parti libéral là tout do mais pas fini lagué la tête net c'est moun sa yo kap kembeli et bloc libéral là avec NPD donc jounen jodi a l'agent Trudeau fini donc son question de qui l'est l'a démissionné qui est-ce qu'a remplacé bien entendu monsieur Menin en politique catastrophique par rapport à Haïti et monsieur bien connaît qui blanc qui participer dans tout le président nèg yo fait partie de projet et terre rare avec semi-conducteur qui doit venir faire à partir d'Haïti, mais nèg yo vle faire longtemps comme si c'est esclave nouye pour yo venir exploiter nous et bénéfice que ça ba yo pour nous pas profiter de yo. Et c'est pour ça, on haïtien qui vit aux États-Unis, on haïtien qui vit au Canada, nous pas calé genou blanc y a venir voler nous pire de quitter nous dans misère. Exactement, ou c'est un master et ou konn politique haïtienne nan et ou t'es parmi et bien tout nèg qui en dans pays a yo là ou konnen yo, ou konn ki est ki bon et ou konn ki est ki pa bon. Lan moment nous gagnons 9 nèg et bien qui kidnappé système nan encore une autre fois en 2024 pour nous style rete et bien gens qui pays a teye Stanley nous pas de contact ton qu'on a passé en Haïti pour qui ça pays ça pas jamais capable changer pour qui ça tout monde a tant une solution pas capable joindre gen même moun même gen des pasteurs aux États-Unis qui t'al fait des demandes en Afrique pour envoyer eh bien des rougans eh bien des gros rougans en Haïti pour aller garder qui problème pays a gagné. Eh bien là nous venons constater que pays a pas gagné aucun problème mais c'est nèg qui dans système yo cap travaille pour juridiction la famille Clinton États-Unis cap décider Black Caucus yo eh bien avec quelques congressmen qui décidaient yo même avec crime que yo fait en Haïti yo pas décidé pour pays a changer parce que yo pral rembourser trop et yo pral dédommager trop Haïti et puis tout nèg sa clan système là sont pile nèg qui corrompu juste dans zo comment trouver 9 moun sa yo qui gen monopole là qui kidnapper encore système là qui veulent régénérer tête yo est-ce que yo légal en dans pays an, selon ou même et bien Stanley et selon constitution américaine là si Joe Biden mouri demain matin c'est vice président Kamala Harris qui a remplacé période si Kamala Harris mouri 11 jours après, c'est speaker de la Chambre des représentants, ça veut dire président de la Chambre des députés américains qui a pris le remplacer.
si Simon qui explique à mourir, c'est secrétaire d'État. Et sa constitution là, qui a dit. Ok. Ok. Dans le cas de nous, nous connaissons que les conseillers des Blancs qui travaillent pour FBI, deux, trois employés du département d'État, ils mettaient avec oligarques dominicains et des soldats qui sont colombiens, ils ont tué le président Lacaille. Oui. Donc, qui sa constitution dit, les tuons président, ou bien si le président n'a pas assumé fonction. Oui. Constitution pays, nous, qui c'est maman loi pays, nous dit que les président n'a pas assumé responsabilité, soit ou bien le malade, ou bien le gros problème. Si pas bon parlement qui doit faire élection au deuxième degré pour mettre un président provisoire, c'est un premier ministre à cabinet ministériel là qui doit diriger l'État jusqu'à ce que l'élection soit faite. Donc, pas aucun côté dans la Constitution pour conseil présidentiel de transition. Tout le monde, c'est racketter, voler, usurpation de titre que vous OK. Ça veut dire que le qui bat tête comme si vous avez un conseil présidentiel de transition, c'est usurpation de titre, c'est voler, racketter, assassin que vous OK. Qu'il y a au niveau constitutionnel et légal. Mais avant d'entrer dans ça, là où utiliser. Yon poste qui pas pour en dans tout pays Stanley qui ça capable river au maintenant l'ont utilisé malade ou rivo malade ou rivo mais qui ça a dit que nèg sa yo qui fait usurpation de titre pas gain rien au niveau légal et constitutionnel qui protège yo n'importe moun dans la rue a arrêté yo et voler al volon bagay ou créer un bagay c'est comme comme dalou là ou même mou chita dans l'émission là et pour déclarer que c'est ou pape Jean-Paul II. OK. Et vous dites pour le bon Vatican. OK. Il y a tout son monde pour quoi. OK. Et si vous essayez de faire ça, la police apparaît tout. Automatique. Donc, ça, c'est au niveau légal et constitutionnel. OK. Ça, n'est que là, son coup d'État qui est lié. Parlez avec peuple. Légal et constitutionnel. Parlez avec peuple. Oulia. Yes. Deuxième aspect, on a le gardé qui n'est que ça. OK. On prend des trois là-dedans pour montrer que nous ne savons pas de bruit dans ce qui nous dit tout. C'est important. On prend numéro un. Stanley Luka, mesdames, messieurs. Mais l'homme, non. Fritz Jean. Stanley, micro pour vous. Pas le peuple la vérité. Fritz Jean. On prend une ladder. Fritz Jean. Ou même capitaine de émission là, capitaine de radio, prend plimou pour un petit papier marqué. Sous quel iPad ou bien téléphone ou ouvert Safari ou bien ouvert Google. Mettez ça m'bral dou là, ladder. Le premier ministre nommé, la société civile, et l'or de la Banque de la République d'Haïti. Ben, moi, je prends ni pour encore. OK. Marquez bien, montez sous Google, mettez le premier ministre nommé, la société civile et l'or de la Banque de la République d'Haïti. Ça veut dire. Son article qui explique en détail comment un membre volait CPTO, monsieur le Fritz Jean. Monsieur, l'élite gouverneur Banque Centrale, monsieur volait 93% réserve l'au pays. Je vais répéter ça pour vous. Les fruits de gens, t'es gouverneur Banque Centrale, elle garde des articles là qui baillent tout détail qui j'en monsieur fait vol là. Et l'once l'or au niveau international, t'as 2800 dollars. Monsieur vend 11 lois à 198 dollars pour le café vol là. Méchanceté. Monsieur volait 93% réserve l'au pays. C'est ça qui vient craser Goudla. C'est une raison. Il y a plusieurs éléments qui crasent Goudla. Manque de production, manque d'exploitation, mais en même temps, réserve loi qui est M. Voler. Donc, c'est M. qui est volé réserve loi. Et M. l'élite chef cabinet Aristide, c'est M. qui a géré gang. Il ne faut pas oublier que le premier gang qui vient créer en dedans pays, c'est Aristide qui a créé. Bambo, non, quel gang. Et non, quelques chefs de gang. Et monsieur créé l'armée rouge. Okay. C'est nèg sa yo créé l'armée rat, l'armée timanchette, l'armée cannibale, dominant bois, balé ouzé. C'est eux-mêmes qui fait opération Bagdad 1, opération Bagdad 2. Donc, c'est eux qui mettent corruption dans la police là, avec policiers 5 pour l'enfer. Kou li a, bon, non, quelques chefs de gang qui nèg yo créé. Gang ou est journée jodi a, c'est petit chef de gang ça que okay, Aristide Leslie Voltaire avec et Fritz Jean t'as géré pour Aristide bon nom quelque chef de gang Conventon Dredville May Colibri La Bannière Si Claude Ronald Cadave Si Robinson Toto Sheriff Yoyo Piment Domlage Jean Renel Si Élisée Colonel Ravik Général Quinquin
Junior Doy, Pablo Escobar, Daniel, Canal Vivant, Dred Dixi, Dred Mackenzie, Billy, Evans Boalian, Tupac, Toutou Danseré, General Pete, Bibi, General Titi, Black Pepa, Black Samel, Une Balle à la Tête, Amio Météé, Léo Mer 617, Evansi Couteau, Commandant Demostène, Commandant Gouf, Tigé, Tiblan, Jaoul, Blad Nasson, Général Kiki, Gros France, Grensonnet, Ti Gabriel, Commandant Wilkins, Jean-Renald Danfin, Ti Kenzo, Ti Gougan, Déporté et Ladrier. C'est nèg sa yo k pa krasé l'armée pour créer gang yo. C'est nèg sa yo k pa fè gang sa yo tuer policier Marie-Christine Jeune pour te kaponè fè gang k ap kaponè la police pour la police pa ka fè travail. C'est nèg sa yo yo mette dans CPT jodi a. Wow. Des malandrins comme ça que yo mette dans CPT oui jodi a. Ou institution qui illégale et inconstitutionnelle oui. Tande oui peuple là. Et puis nèg y a joué avec un pays et y a joué avec 11 millions d'haïtiens k'ap vivan dedans pays a. Et 4 200 000 haïtiens qui vivent dans à peu près 45 pays sous la terre. Wow. Nous ne pouvons pas tolérer vacabon ça ou malandrin ça. Tendez oui, Pep. Tendez oui. Et je vous dis ça, c'est malandrin ça qui n'a pas un statut légal, qui n'est pas constitutionnel, qui besoin d'un coup d'État pour mettre notre premier ministre. Donc je vous dis, il faut garder les bagailles clés. J'ai évolué là. La majorité de monde qui est dans le cabinet ministériel, c'est eux qui mettent. C'est eux-mêmes qui ont affaibli l'État. C'est eux-mêmes qui ont ban nos occupations. C'est eux-mêmes qui mettent le pays dans l'État que y a. Bien entendu, il y a l'autre monde qui vient de gagner responsabilité dans la continuité avec nouveaux chefs de gang qui vient émerger. Avec des oligarques, Concours Original Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob et Latrier. Je vous le dis, tout autant que légalement, démocratiquement, nous ne pouvons pas être fiers de ça, malheureux, sans malheureux avec malheureuse. Comment se couler dans le pays? Ouais, bagay m'a dit, hein? Classe politique là. Depuis nous pas pété fiel, tout mal propre, ça honnête, pas de moyen pour nous chambre en Haïti. Ouais, ça me dit nous là? C'est ça que m'a dit, l'autre de gang yon a pris Solino, a pris sous vicieux nous yé, sous volé nous yé. Bon seul bagay si gang nan te de pays a fait, en vérité, bon Dieu, t'appelé un bon matin dans des peuples a dit, ou fait nous mal, c'est vrai, nous rendons plus gros service. Débarrasser pays de tout politicien corrompu. Éliminer yo. Je n'ai pas foutu craser zone. Prends Solino. Ça n'a pas boule quand même. N'a pas tout. Prends politicien pour nous. Lave politicien pour nous. Et pour nous, si peuple ça pas ban nous respect. C'est assassin yo. C'est terroriste politique yo. Si nous quittons yo là, nous pas jamais en Haïti. C'est un élu qui a parlé. Bon, bal parlé. A demandant 3 ans et demi que nèg yo fin tout yon président, nèg yo krasé 650 milliards de gout taxes peuple la bagon l'école qui bat. Wow. Méchant. Wow. Et maintenant, si nous allons dans Leslie Voltaire, qui ça que Leslie Voltaire baille? Leslie Voltaire, c'est ancien chef de cabinet Aristide, monsieur le ministre de la diaspora, monsieur krasé ministère. C'est monsieur qui écrit pour Aristide l'accord de Paris. Ça avec accord de Paris qui n'est pas volé tout bien l'État qui rapporte l'argent. C'est accord de Paris qui permet de voler téléco. Elle dit que je ne dis pas tout comme téléphone, tu dois aller dans la caisse l'État. Je ne dis pas que fait blanc à voler comme peuple là, qui à l'étranger. C'est comme ça que vous volez téléco, vous volez minoterie d'Haïti, vous volez ciment d'Haïti. Ça avec même accord de Paris ça qui vous volé et vare. Donc je ne dis pas. C'est des nègres qui viennent piller l'État, affaiblir l'État, voler l'État, craser l'État et mettre pays à sous cabane de l'hôpital. C'est eux-mêmes qui bannent un coup d'État pour venir créer CPT, un bagage qui parle en constitution. Nègres ont besoin de voler nous pendant qu'ils préparent un coup d'État électoral. Ok. Mais sortir là, est-ce que. Et puis, je n'ai même besoin de parler de quelques autres membres. L'autre jour, là, il y a quelqu'un qui est et unité de lutte contre la corruption fait rapport qui montre comment nèg yo a pèsé volé comme l'État en dans Banque Nationale de Crédit. De crédit yeah. Wow. Rapport ça yo tout frais oui, yo fait kembe yo là dans volé en dans CPTA. Oui. Yo fait prend yo, mais ça veut dire que ou dit avec des moun conséquents en Haïti, c'est mettre pied yo à terre pour déraciner gens de nèg ça aucun pays. Absolument. Absolument, gen 5 ou 6 là-dedans yo. C'est des voleurs reconnus, des nègres qui crasent l'État, qui crasent le pays, voler, qui gagnent les gangs dans tout le monde, qui bannent nos occupations militaires, qui viennent sale souveraineté nationale pays.
Mais c'est ça que vous voulez faire là. Malandrin qui nous doit déraciner. C'est ça que vous voulez faire là encore, Lucas. Comme, pour être capable, comme si, montrer qu'il y a protégé tête, vous voulez l'autre corps, venir rentrer en dans le pays, pour être capable de protéger, yo, pour rester en dans le système. Là. C'est ça que vous voulez faire là. Non, mais c'est pour ça, il y a besoin de Kenya. Il ne faut pas oublier que et Kenya n'a pas complot avec Jamaïque et Bahamas. Il y a besoin de venir voler ça, nous gagnons bataille. Moi, nous avons bataille, nous gagnons l'eau. Nous avons gaz naturel, nous avons pétrole, nous avons terre et nous avons possibilité de lithium tout qui coûte en paquet l'argent. Okay. Donc je vous dis, à complot et mon complot, petit qu'il y a. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous campons ferme pour justice pour le président Jovenel Moïse. Ou pas qu'il y ait trois employés département d'État qui mettent avec employé FBI, qui servent à oligarque pour finir tuer le président Lacaïno et puis nous avons gardé ça. On pense que si des Haïtiens passent de Saint-Domingue, ils viennent aux États-Unis pour tout un président comme ça, les Américains ont tapé un grinda avec nous. Jamais. Nous-mêmes, nous ne parlons pas de grinda à personne. Nous, pour la coopération internationale, même Jean-Toussaint Louverti, c'est contre qui Jean pour coopérer, mais nous ne parlons pas de grinda à blanc qui a tué le président de la Caïno et qui a besoin de voler tout ça, sans nous pas joindre là-dedans. Ça veut dire que vous validez une révolution bossale brutale en Haïti. Bon, nous disons révolution, sans nous pas mettre des caractéristiques là-dedans. Okay. Et un changement radical, elle dit que même j'en étais fait dans le pays Bangladesh, côté la jeunesse, peuple a été levé, campé, là, nettoyer Brimati, nettoyer tout côté, c'est ça que doit faire dans le pays d'Haïti. Et pas gagner l'autre option là. Wow, wow. Et. Parce que l'on prend Kenya par exemple, ok? Président Kenya l'autre jour, pas gagner 2 mois de ça, nous avons fait augmentation de 60% produits première nécessité. Peuple a levé, campé, mandé pour vous, M. Allé. Qui ça, M. fait? Vieux policier Lakayo, il fait kidnapper 223 leaders d'organisation communautaire qui t'a demandé pour descendre pour eux. Je fais tuer ces qualités de monde, ça, vous voyez, comme policier de Kenya. Nous devons mettre dehors déjà. Et puis, comment voulez un vieux policier Kenya qui va camper soin, il a payé bien cher en américain, et puis policier qui souterrain, qui pas nous, il n'a pas voulu payer. C'est inacceptable. Oui, mais, et puis, d'accord, oui. Nous, le problème, non, c'est dans l'instance la police, ça, c'est Negio qui mette pour mon paillon dans l'instance la police. Là. Maintenant, Lucas, et si vous avez un message, avant que nous rentrions dans l'autre question, si vous avez un message, qui message que vous êtes capable de voir les policiers, ça, yo, qui campent en dans bang contre le peuple, pendant qu'il y a eux-mêmes, ils disent, ils ne veulent pas reconnaître Negio, et puis les policiers, ça, eux-mêmes, ils veulent écraser les peuple, pour le peuple accepter, eh bien, groupe, monde qui kidnappe le système, là. Qui message vous avez voir pour les policiers, ça, Lucas? Bon, policier, on est que si pas supporter revendication populaire, la victime puis devant. L'histoire est sans pays d'Haïti montre ça. L'éclair. Et la police, c'est le peuple, c'est la police, c'est la police. Mais c'est peuple là, c'est l'armée. Donc, je vous dis, il faut que policier l'ouvre, pour garder que, gonti clan, que oligarque décret CPT qui est illégal et inconstitutionnel, c'est eux-mêmes qui représentent un menace au pays. Le plus tôt que nous avons déraciné, et que ou un gouvernement solide et sécurité qui a rétabli dans le pays rapidement en 6 mois sans problème. Et moi même débat plan déjà. Okay. Nous qui a rétabli sécurité dans le pays semblant en 6 mois. Mais il faut un courage pour prendre décision. Numéro 1, il faut monter une unité spéciale de 2500 hommes. Allez, vous entrez dans la police, vous prenez 1500 policiers qui comptent goumen, ou entrez dans l'armée, vous prenez 1000 soldats qui comptent goumen, ou montons une unité spéciale de 2500 hommes. Ou mettons commandant solide dans tête li, ou relé Salvador, ou mande Salvador, ba ou 7 techniciens, et même j'en accompagne qui fait que vous voyez 7 techniciens en Haïti pour venir aider former la police et l'armée, ou est-ce qu'il s'en excepté au fait, yon douce mercenaire. C'est pour la police à l'armée pas recevoir formation qui ont besoin pour craser gang yon, parce que gang yon a recevoir l'autre dans mes CPT. Ou en aigle couridou, c'est mercenaire. Alors que c'est des experts internationaux qui vont sortir nos compagnies qui les Sunbird pour venir former la police et l'armée pour montrer comment pour gommer contre gang. On continue ça, m'tabdia. Lorsqu'il monte une unité spéciale de 2500 hommes, ça, ou pour un monde, un garçon ou une femme qui gagne un an, ou mettez-li à la fois ministre de la justice et ministre AI de la défense. Avec dit la police à l'armée, non, mais. L'offre fait ça, ou fait son monde qui a connaissance, ou mettez lui ministre délégué en charge des renseignements. Lui même au balcon de Nameni, c'est lui même qui a infiltré gang yo pour qu'on combien revolver gang ça a gagné, combien mitraillettes, combien motocyclettes, combien machines, qui numéro de téléphone qui a servi avec lui, dans qui zone qui l'opéré et l'a trié. L'offre fin gagne l'élément ça ou nan men ou fait ministre affaires étrangères écrit la Croix Rouge internationale. Ou dit que ou besoin d'ouvrir une mission d'observation de 3 monde pour l'on va faire opération yo et pour ka
Après, on mettait Miskaden et commissaire gouvernement de Port-au-Prince. Eh bah, ben, là. OK? Koulia, alors, fin fait ça, on va commencer par la tête. Même Jean-Salvador Tefel. Salvador Maré, trois anciens présidents qui étaient dans la gang. Voilà. Dans Capano, faut nous marrer Matéli, faut nous marrer Aristide, faut nous marrer Privé. Privé. Ils sont tous dans la gang. Koulia, alors, fin marrer trois anciens présidents, ça y est, on va le marrer oligarque. C'est un délicat, important pour le dandel. Pour Marie-Réginal Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, à tout l'autre oligarque qui n'en gang yo. L'offin maré yo, ou pral maré ministre à pas ancien parlementaire qui n'en gang. C'est comme ça au El Salvador. Ancien parlementaire à ministre de droite qui était dans parti Arena qui n'en gang yo maré yo. Ancien ministre à ancien parlementaire qui était dans gang, qui était dans parti de gauche FMLN yo maré yo. Koul ya l'offin maré, tête leadership là. Ça veut dire tout gros autobre qui dans gang yo, ça veut dire gang à cravate yo, ou pral descendre à terre pour craser gang yo, green par green. En 6 mois, on a fait travail là. Mais pour faire travail là, non seulement faut monter une unité spéciale de 2500 hommes ça, faut rentrer dans la banque centrale là, ou prendre 100 millions de dollars américains pour acheter 2 hélicoptères de combat, une série de blindés. Pas ça nous gagne là, yo, non? Une série de blindés spécial. Et alors, Stanley Lika n'a pas attendu toujours. C'est très intéressant. OK, pour nous entendre Stanley Lika dans l'intervention. C'est avec vous que Salvador servit pour craser gang. Allez-y, les blindés ça vini, quel que soit les armes que gang nan, gagne même li va camper devant blindés ça. Nous t'a nettoyer pays a en 6 mois pour diaspora albérien dans la mer ben dans rivière le calé col la caille. Exactement Stanley, j'en dis a mais Salvador te bail et bien gang YouTube, Genio qui te gagne zam nan, y un moment pour yo te capable expliquer et non, ça bien sûr. Bon moment, bon on va commencer mes zam sou yo. Oui. Ou dit si gang a terre ou gain possibilité remettre zam nan. Et pour qu'il y ait une possibilité de vivre. Exactement. Et puis, quand il y a si on dit non, il n'y a pas de bagaille, et sous trois garçons, on met si on. Exactement, c'est pour nous bien comprendre. Et puis, quand on a fait ça à tout, on a construit une prison spéciale dans pleine de lab, dans la Tibonite. Une prison isolée, côté n'y a pas accès à Internet, à rien, avec maximum de sécurité. Je vous dis, dans la prison que vous créez, Salvador, il y a 47 000 gangs qui sont en prison. Et mon prison jouette, ou bien doit monter sur Internet là, aller sur YouTube, chercher jail in Salvador, ou bien prison dans Salvador, ou après Libye. A gen green dan, men. Toi, j'en ai géré gang yo, men. Tête baissée. Exactement, parce que là, nous voulons vraiment bailler peuple à toute information. Côté que Salvador, même te bailler un moment à ce que j'en qui gen zamyo, mais yo te montré. Eh bien, yo prend des têtes qui en l'air avant, là yo prend tête qui en l'air, nous vinn constater en Haïti, c'est tout nèg qui malandre, yo tout nèg qui fait crime yo, c'est yo même présentement qui kembe instance la police là en face peuple là et aussi qui dit n'a tué toute sa carrière mais nous même n'a prêté dans système là. Comment trouver ça? Oligarque là lui-même et comme li va ka corrompre toute la police là, oligarque là qui ça le fait? Li corrompre gang yo et avait dit que gang yo là mais oligarque yo. Exemple, dans la police. Vous voyez 15 dames by gang, c'est Oligat, qui a acheté des dames Florida, ou des dames Ledoulan. Donc, je ne dis pas, et pays n'a pas aucun côté, tout autant pas marré Oligat. Même Oligat qui tue le président. Wow. Ce n'est pas allé, mesdames, messieurs. Nous, Dandel, c'est toujours ça, nous, toujours, qu'on a dit nous. Et, bon, quoi, nous faisons passer sous lit, eh bien, nous connaissons. Alors, forme de Bousta. Et pendant que j'ai une famille qui était malade, je me suis occupé. Je suis couru sur Internet là-bas et je me suis dit que je fais une crise cardiaque. Je même fait un certificat de décès pour moi qui fait ce qu'il est sur Internet là. Pour montrer que je suis méchant. Man. Oui, nous t'es joigné, nous t'es voué pour nous, mais nous n'avons pas adhéré avec ça non plus. Nous t'es toujours dit que la tante. Et mais vraiment et nous vraiment content d'être que vous retournez encore en force pour que le peuple a toute vérité. Yo. Ça veut dire que. Ou croyez que là où l'autre Haïti, si peuple a campé, là moment ça, c'est peuple a pour le pays, pour remettre tête les pays, n'est-ce pas, il n'y a pas aucune légitimité devant peuple là, Stanley, est-ce que vous croyez que n'est-ce pas, il est capable de faire élection dans le pays, même qui là, est-ce que vous pensez que il est capable de faire élection dans le pays? Non, mais monsieur, ça, au moins, avant, nous connaissons que n'est-ce pas, il est dans l'élection, il est dans le coup d'état électoral. Si n'est-ce pas, on est concours Jacques et Joseph, ok? Ou même comme auditeur, prends plus mou, prends papier. Moi-même, ça, avant, nous toujours travaillons ensemble, auditeur. Ok, marqué. Jacques Seyus, li écrit J-A-C-C-E-U-S. Joseph. Jacques Seyus Joseph. Google, monsieur. Monsieur était dans le KEP déjà, il mettait le dehors parce qu'il voulait voler l'élection. Ça, monsieur, retourné faire dans le KEP à la.
son nègre te mette déjà deux yon nan KEP parce qu'il te vle voler l'élection. Donc ça m'se fèf pour vin nan KEP là. Wow. Donc son coup d'état électoral qui nèg a préparé, ou konne peuple la kon moun sa yo, peuple la va pral voter yo. Donc son coup d'état électoral qui yo besoin fè. Donc je ne jodi a, et puis nèg yo du yo pral fè élection par département. Bon bon bagay. Oui. Département de l'Ouest là pour contre représenter 43% de l'électorat. Okay. Le département qui gagne plus gang yo. C'est l'Ouest qui représente 43% de l'électorat. Département Latibonite là, il représente 16%. L'homme était tout de ensemble, il représente 59%. Donc l'homme prend 59% de l'électorat qui vivent en bas gang, ou pas qu'à faire élection tout autant pas rétablir la sécurité. Ok. Ok. Mais une façon ou l'autre bagaille encore, Stanley. Cela veut dire que. Jeune sa yo dit que c'est des bandits, yo vle retire yo, mais par contre moun ki vle retire yo, nous même c'est nous et moun sa yo pour nous retirer avant, pendant que yo dit yo vle retire jeune yo et yo même yo vle quitter tête yo là pour yo réinstaller tête yo parce que yo connaît yo fini en dans pays, yo vle faire pression sur peuple là, faire pression sur moun ki wè yo, yo pas légitime en dans pays, qui sont rap du peuple à propos parce que yo même yo dit yo retire jeune yo pour faire élection, yo dit yo camper goumé yo même c'est élection yo vle faire pendant que yo même yo pas aucun légitime en dans pays devant peuple là. Maintenant t'as besoin que ouvri yeux peuple là en direction ça Stanley parce que y a plein monde qui a écouté nous là. Nègou ek nan marché pressé k'ap parlo de élection, sans pa parlo de sécurité. Okay. C'est parce que nègou pè que gon fè des bagay ki changé nan Washington nan. Okay. Yo nan marché pressé, an gran bagay yo changé bo ici a. On va ensemble dou lan. Et si c'est Kamala, ap gen des changements, mais si c'est Donald Trump tout, ap gen des changements tout. Nègou par contre tout sa changement sa yo ap pote. Mm-hmm. Donc nèg y a marché pressé pou wè si yo ka gen tan fon coup d'état électoral, an changement yo gen tan fait. Nou pa prendre un coup d'état électoral. Je vous dis à son grand focus pour nous gagner. Qui wow. Gens pour nous font baler ouzé avec NexPT ça yo. Baler ouzé. Qui gens puis, pour nous font baler wow. Ouzé. Ça veut dire baler ouzé là. Stanley, langage. Ah, un langage peuple là, même on dit déraciner, moi même dit baler ouzé. Baler ouzé. Donc qui revient même. Moi même m'a don bagaille. Oui frère. 11 millions moun pas arrêté otage en dedans pays là. Donc, si groupe qui pas dépassé 250 moun. Bravo. Période, d'accord. Et 4 200 000 moun qui vivent dans la diaspora, yon pas qu'à otage 250 moun. Il va possible. Bravo. Il va possible. Nèg yo kembe instabilité à système ça, c'est pour continuer voler l'État et continuer pays. Et garder qui j'en, parce que yon connaît pas aucun contrat qui a signé tout bagay sérieux, tout autant pas un gouvernement constitutionnel. Donc, nèg yo besoin gouvernement constitutionnel pour pétrole à travers un coup d'état électoral pour venir voler tout ça qu'en battait pays. Alors que ça qu'en battait pays, si nous exploitons le bien, n'a même jamais à Qatar. Côté chaque monde en dedans pays qui a fait 40-60 000 dollars américains par année. Wow. Ça qu'en battait. Wow. Oh, bien sûr. Wow. Stanley, vous venez activer peuple là, oui, Stanley. C'est là que vous voulez dire peuple là. Prends destin en main. Pas quitter nexa ou mener nous côté qui vous même vous voulez. C'est nous pour mener tête de côté que nous voulez. Ou vin activer peuple gardez oui gardez même dit non seulement activer parler peuple mais conseil de réalité mon conseil de réalité que me veut mon yo connaît. OK les blancs relé président Ukraine nan les la Russie envahit l'Ukraine. OK blancs relé président Ukraine nan li dit bon m'a voyon avion vin chez chou pour le faire ou tout président Ukraine nan Zelensky dit non moi même pas aucun côté me braler c'est sous goun même camper c'est zam vous voyez ban moi blanc depuis les conflits a commencé à jodia blanc voyé près de pas million non près de 120 milliards de dollars américains zam by Zelensky 120 milliards les koulia blanc dit Netanyahu ou pas ka rentrer Rafa ou pas ka faire ceci faut qu'on fasse ceasefire Netanyahu dit blanc ça va pas bon pour moi. Ces armes vous mettez même Jean Hamas pas côté blanc, Netanyahu pas côté blanc. OK. Loga de Bukele dans Salvador. Côté plus gros gang qui existe dans zone là qui plus méchant qui plus tiak dans zone là qui les MS-13 en anglais ou les MS-13. L'MC commencé mettre armes sous gang yo. OK. Blanc t'a essayé saboter monsieur à travers organisation de droits humains. OK. Pour t'empêcher le faire travail là. Monsieur pas pression. Donc tout ça pour me dou de bagaille. Blanc pas considérer nous même moun noir pays d'Haïti tant qu'au moun. OK. Parce que sans peuple noir a coulé depuis près de 6 ans à 7 ans là,
Nous besoin seulement 120 à 200 millions de dollars américains d'armes pour nous rétablir la sécurité. Blanc a pas voué amis et puis blanc a saboté nous pour nous pas bâtir la main nous. C'est grave, oui. Et ça m'a dit nous matin. Deuxième matin, il n'y a pas aucun blanc qui a venu régler rien pour nous. Blanc est des voleurs qui lient. On est bien, guys. Et pour le voleur, il faut gagner stabilité. Il faut gagner stabilité. Mais parole là. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit nous matin? Dis-nous, l'homme garde moi, l'homme garde dans quel niveau que et là pour observer ça qui passe en bas et puis le grand haïtien qui décide attaquer ça qui en bas pour solutionner problème non et puis même blanc ça les pousser griffes comme si m'd'a toujours à côté de criminels qui a détruit Haïti yo pour que moun sa li même li va faire ça le besoin faire et ça cause m'a dit Guy Philippe peuple haïtien et pas Guy Philippe c'est peuple haïtien m'a dit peuple haïtien. Nous devons camper dans Dogi Philippe en foule. Parce que, où est-ce que nous ne faisons pas? Je suis sorry pour nous. Nous ne mourrons pas pile et pas dans le pays. Grand groupe tue nous. Petit nous ne pouvons pas aller à l'école. Gang a fini avec nous net. Petit fini à violer n'importe qui. Jan. Petit garçon nous a rentré dans la gang parce que nous avons un pays qui a fini. Et c'est nègre qui a banoul. Si nous avons occupé les affaires blancs, nous avons tout pris décision pour nous mourir un seul coup ou bien pour nous sauver Haïti un seul coup. Stanley Lika, occupé de questions de blanc. La semaine, ça m'a dit là, on va regarder. Là, il a pour l'autre dit. Je pas capable. Donc, je vais répéter ça pour auditeur. Pas aucun blanc qui a venu régler rien pour vous. Jamais. Donc, je vous dis, lorsqu'il monte une unité spéciale 2500 hommes, c'est vous-même qui avez entré dans la Banque centrale ou prend 100 millions de dollars américains pour acheter des armes. Sous marché international, la grande pile côté qui a joué des armes. Et c'est des armes spécifiques qui ne sont pas compliquées. L'organe Zam Sayo, en 6 mois, des hélicoptères de combat, conseil de blindés spécial, pas ça nous gagne. Mitraillette 50, fusil sniper qui capait ses béton, qui capait ses blocs, avec un frère rouge, des bagages comme ça, m'a besoin de détails dans la radio. Yes. Ou acheter 100 millions de dollars américains Zam, unité spéciale 2500 hommes, non, ou équipé, et puis nous, en 6 mois, ou établir la sécurité dans le pays. 6 mois. En 6 mois. Mais moi même cap pas là sans fonction d'expérience moi qui me fait dans côté qui pitchak sous la terre me fait Afghanistan moi fait Nigeria côté que gagne mouvement terroriste Boko Haram fait Afghanistan côté que gagne des terroristes qui t'est les talibans et moi fait Zimbabwe et moi fait Venezuela moi fait Salvador tout côté que pitchak yo même fait yo wow c'est expérience moi là que m'a mettre à service pour montrer que rétablir la sécurité pour même qui n'a prédit Canada qui va rentrer là l'autre semaine. Pour que nous-mêmes qui besoin à vivre en bâti soleil, nous, en bâti coco et nous, en bâti l'homme, nous, en bâti rivière, nous, prenons plaisir, nous, dans le pays qui nous aimons pile, pour nous calmer, prendre retraite, nous, en paix. Okay. Mais il faut que nous-mêmes nous engagions. Nous pas qu'à quitter des malandrins, qu'on coule si Voltaire, Fridjan, et Ladrier, à inventer des bagailles pour venir chita sous tête l'État qui est illégal, inconstitutionnel. Et bien, moi, dis-le, mesdames, messieurs, nous, avec Stanley Lucas, l'homme, c'est Stanley Lucas, mesdames, messieurs, l'homme qui travaille dans plusieurs pays. Et puis, qui est-ce qui a été guidé? Et Fritz Jean, qui a été guidé, les six Voltaires, Jean-Bertrand Aristide. On est qui volait 800 millions de dollars américains, l'argent de l'État. On est qui fait 500 millions de dollars américains dans le trafic de cocaïne avec Pablo Escobar. De vous monter sur YouTube, chercher vidéo Aristide Drogue. Ou à vous joindre ni. Côté, chef d'IA explique ok. Il y a toute preuve que Aristide est dans le trafic de cocaïne avec Pablo Escobar. Il va le descendre pour arrêter lui. C'est Clinton qui dit non. Donc, je veux dire, nous avons des malandres comme ça. C'est eux-mêmes qui prennent le pays en otage. Aristide crase la mer. Il crée toute gang qui me saute de douille pour le faire des drogues. Ou là, il y a sans filtre, oui. C'est Clinton qui kembe Aristide là. Avec dit que. C'est pas moi-même qui dis le nom, mais vous montez sur Google. Oui. Vous mettez Jean-Bertrand Aristide Drugs. Vous montez sur Twitter, et pas pardon, et sur YouTube. Vous mettez Jean-Bertrand Aristide Drugs. Vous avez une vidéo à côté chef d'IE pour Amérique latine et la Caraïbe. Il y a une bonne explication. D'ailleurs, nous avons un mandat d'elle, un mandat fermé, Florida pour lui pour faire cocaïne. Et vous savez, c'est pas qu'à venir ici aux États-Unis. C'est gros bagay. Aïe, aïe, aïe. Dossier, oui, mesdames, messieurs. Mais ça m'a dit nous, moi, dis nous, nous pas qu'à quitter pays à comme ça. On nous arrange, nous. Son pile nek qui kebe système, non? Pour yon capable toujours régénérer tête, yo.
bataille là mais nous ça nous veut et nous pour décider lui jodi a là Stanley ou dit peuple là pour l'activer tête li pour retirer bagay sa yo jodi a là Gary Conney est-ce que Gary Conney son monde sérieux Gary Conney est-ce qu'elle pas gagner dossier sous dol Stanley monsieur est-ce qu'on monsieur c'est ça relé un fonctionnaire de carrière Nations Unies OK il dit monsieur son docteur monsieur son technicien c'est ça relé monde de bien et nèg ka pral chita avec ou pour faire bon petit dialogue pour petit bagay c'est pas la dirigeant Haïti. Pour gérer vagabond qu'on gagne en bas, faut gagner dans série. Monsieur pas dans dans série. Monsieur son nèg plus passé maintenant tête. Et vous ça nèg yo mettez parce que vous connaissez que monsieur son nèg qui gentil, on aime le doulan. OK. Parce que vous connaissez secrétaire Clinton dans série même. OK, dans série. Gary Conney était série. Et m'gal pinoi avec vous. Ouais, si monsieur ouais là n'a pas parlé là entre Koulia et mois de février, si monsieur pas serré dans nèg y a manger. Non, mais parce que vous connaissez, sous système, non, et monsieur était là, il y a 210 millions de dollars, Petro-Caribé, qui le décaissé, personne ne va comprendre ce qui passé, comme c'est IRH là. C'est le même qui était secrétaire Clinton, non, comme c'est IRH là, en Haïti. Oui, mais nous connaissons que c'est IRH là, et 10 milliards de dollars américains, c'est IRH là, qui est blanc et au volet. Et vous connaissez qu'on dossier ça bien. Oui, mais c'est monsieur qui est secrétaire. Haïti n'a pas de gagner pour la donne. Là, les blancs ont volé, les Haïtiens. Haïtien qui était censé représenter Haïti dans ces RH là, les ou Jean Blanc y a crasé cobla et puis on va faire un pour Haïti, tout Haïtien ont été retiré quoi yo. Yo te font lettre officielle, lettre ça son lettre qui disponible sur internet là, soit dans archive blog moi, ou chercher blog de Stanley Lucas, solutionhaiti.blogspot.com, moi je une copie lettre là. Oui, oui, n'a pas une copie lettre là, mais par contre, c'est lui même qui était secrétaire Clinton en le moment. Non, absolument. Il faut poser toutes les questions. Pendant que c'est son nec qui pas comme si, qui pas dans mauvaise affaire, est-ce que il y a des blancs et qui veulent servir à monsieur pour appliquer un agenda? Question, ça m'a beaucoup répondu. Ok, pas un problème. Par contre, il y a 210 millions de dollars Petro-Caribé là même qui pas jamais bail aucune explication. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ok, mais moi-même, nous gagnons tout le bagaille. Au moment lui-même, il était là. Parce que même si nous sommes capables de dire, et sur la mort, il y a 600... raison qui fait monsieur petit job li comme premier ministre, c'est parce que monsieur Talfon rapport. Et sous corruption Petro-Caribé qui montre comment on sénat. Et Stanley Lucas toujours. Les Dominicains volaient près de 222 millions de dollars américains Petro-Caribé. Ok, non. Mais c'est pour ça que je perdu job li comme premier ministre. Oui, nous n'avons aucun problème contre ça. C'est ça qui m'a même dit tout. Même je nous dis la mort, il y a 600 millions la même qui était premier ministre, qui était décaissé sous la mort. Mais lui-même, sous juridiction par là, il y a 210 millions de dollars tout. Cela veut dire que ça a parlé de ça. Yo. Bon, moi-même, quand vous m'avez dit, sous dossier Petro-Caribé, et m'a un chiffre devant moi, et m'a dit, ouvert dossier pour montrer, j'ai 838 millions de dollars américains, qui crasaient dans Petro-Caribé. Et, dans 838 millions de dollars qui, l'idée de financer, et si mémoire bon, m'a gardé chiffre encore, 223 ou bien 243 projets. Ok? Pour qu'un des monde qui vole les copes Petro-Caribé à son travail deux mois qu'il y a, il va plus que ça. Et deux côtés pour aller. Ou entrer dans le ministère des Finances, ou entrer dans la Banque Centrale. Ou aller regarder pour qui est-ce l'argent est débloqué pour faire projet. Ou il y a l'offre de regarder qui monde qui recevoir combien de copes pour tel projet. Ou pour aller regarder projet. Est-ce que le projet a été fait? Est-ce que le projet a commencé le pas fini? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas fait de craser les copes là? Avec une méthodologie comme ça, ou camarade tout volé en deux mois. À l'aise. À l'aise, c'est peut-être ça que, quel que soit n'importe ça qui a passé, n'importe justice qui a fait, Gary Conney a quand même retrouvé le devant la justice pour venir parler de l'inquiétude là qui s'est passé en deux pays d'Haïti. Et nous connaissons présentement, ce n'est pas Gary Conney qui décide de mettre tête de là. C'est même la famille Clinton. Non, moi-même, pas moi connais, c'est que monsieur Petit Jobli, comme premier ministre, sous Mateli, à cause d'un rapport qu'elle t'a fait, qui t'a commencé à identifier volet Petro-Caribé. Oui. Dans toute justice. Et vous savez, c'est petit job. Dans toute justice, pas aucun problème. Jusqu'à maintenant, population a beaucoup. J'aime reconnaître ça qui passait avec 200 millions de dollars. Mais c'est pour ça. Nèg qui vient tuer le président, qui ça a offert? Le Ariel Henry vient prendre pouvoir. Qui premier bagaille qui a offert? Nèg qui a nommé mon coup de cassation. Alors que la Constitution dit que. Lorsqu'un gouvernement de transition, un premier ministre de transition, ou pas gain autorité pour nommer moun nan cour de cassation. En dans constitution,
c'est deux autorités qui gagnent quand même nommé moun dans coup de cassation mm-hmm. et on doit travailler ensemble son sénat constitutionnel avec un président constitutionnel elle dit que tout moun Ariel Henry mette dans coup de cassation et 53 l'autre juge que yo nommé yo, c'est pour que tout moun sa yo qui dans corruption pas jamais paraître devant la justice même rapport où est que ISCC fait devant Founeg CPT qui dans corruption yo pas rien qu'à priver yo. Parce que le système est contrôlé par les assassins et les oligarques de la République. Mais c'est exactement, c'est peut-être ça que nous-mêmes nous dit, moment fini, côté que, eh bien, peuple là, eh bien, Yodou, parce que dans tout pays, c'est peuple qui prend décision. Et présentement, nous avons peuple, nous avons une nation qui est divisée, côté que, eh bien, là-dedans, à vivre l'international là, et de même aussi à vivre en Haïti, qui a dit, eh bien, il a acclamé général Guy Philippe pour la tête pays d'Haïti, en pile monde international là, et en pile monde en Haïti dit, mais qui monde qui a ouvert. Je dis à nous constater que nous, qui n'est pas légal, pas aucun légitime, eh bien, je dis à nous dit, fuck nous, vous mettez. Gang yo, ouais, qu'a frappé, c'est même ça, son liga qui baille l'autre, oui, pour gang yo frappé. Yo fait que vous examen tout neuf baille, oui, sur Florida. Ok. Gros bagay. Ok. Tout gang ouè ka frappe, c'est oligarque avec deux trois politiciens. Et puis blanc a mette Guy Philippe avec monsieur Lyon. Normalement, ouè, ça prend une décision décisive vraiment en deux pays d'Haïti, Stanley. Parce que là, cher, nous comptons. Je vais répéter le bas ou encore. Faut nous faire une opération Bangladesh en deux pays d'Haïti. Oui, on peut te bouger. Sur YouTube, gardez Jean-Pepe Latik, levé campé Bangladesh, li nettoyer toute institution l'État yo. Yo vin met ton ex senti bon tout neuf là qui nan tête l'état comme premier ministre pour organiser l'élection. Bravo. Bravo. Stanley vraiment nous ou te manqué nous et nous vraiment content de gagnon la Chanel Bossadion aujourd'hui pour toute information ou fait réveiller peuple là Stanley ou et Stanley qui était important oui. Une baie peuple là yon pique là côté tout petit peuple là c'est à eux même qui pour prendre décision parce que nèg ça pas aucun légitimité ça veut dire que même mon mandat nèg ça ta supposé mettre sous dos yon moun et bien du pas supposé reconnu selon et bien la loi Stanley parce que nèg ça c'est des nèg qui a profité sur yon poste qui a fait mon peur dans moment ça veut dire moun pas supposé aucun respect pour yon dans pays c'est est-ce ça que vous voulez dire peuple Stanley c'est qu'on comme dadou on moun dans diaspora là oui et puis il lève au matin il baie tête litite il n'a pas fait présidentiel et puis il débarque en dedans palais il a touché l'argent l'état il a fait chèque l'a nommé l'a voyagé à contact peuple haïtien OK pas aucun côté dans l'état qui baille possibilité pour faire ça et puis il fait et tout le monde a regardé et puis personne pas dans rien voilà ah mon cher Stanley mon cher nous pas doué dans grien dans malandrin ça balé ouzé. Balé-ouzé, comme vous dites, mesdames, messieurs, ça c'est un message, eh bien, de Stanley Lucas. Eh bien, il dit nous, c'est balé-ouzé et qu'il y ait un moment. Ça veut dire quoi, nous, pendant la bataille là, ça veut dire, nous pas supposé, sans les sauver, dit là, nous pas supposé reconnaître ça comme ni gouvernement, ni comme président. Nous, c'est ça, on dit, peuple là, oui. C'est ça lié, n'est-ce pas, aucun, c'est usurpation de titre lié, oui. Merci, 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 merci. Stanley nous dit merci. Encore pour intervention en l'émission. Tout n'est qui dans CPT, c'est usurpation de titre que vous avez. Il n'est pas légal, il n'est pas dans la constitution. Il y a un cas de bagage, ça, et ça me dit. Parce que si Gary Koni a travail normalement, c'est le commissaire gouvernement arrêté, oui. Oui, mais le commissaire et qui est responsable de la police. Et c'est le commissaire gouvernement arrêté, Negio. Oui, mais normalement. Il est déposé dans la pénitentiaire. Normalement, Negio est capable de gommer avec Gary Koni tout, parce que lui-même qui saute aux États-Unis pendant 10 ans, mais la constitution a dit qu'il faut gagner 5 ans sur son là, parce que ce n'est pas Pep qui bat le mandat, c'est mon président qui bat le mandat aussi. Bon, là, monter gouvernement de transition, depuis son premier ministre qui l'a, bon, l'essentiel, nous besoin premier ministre, c'est un cabinet ministériel. Mais nous besoin tout le monde. Nous besoin premier ministre, un cabinet ministériel, grain crasé. Grain crasé. Moi, d'accord. Regardez, n'est-ce pas pratiquement théoriste que vous voyez. Voilà. Ouais, moi, nous avons un gouvernement. Et au cabinet ministériel, grain crasé. Nous faisons un conseil des ministres. Voilà. Nous faisons un conseil des ministres, là, mais nous n'avons pas une liste théoriste qui ne sortit pas arrêter. Merci. Même besoin faire ça. N'a que prend yo, on font bagarre avec yo. Le pambo et oui yes. Pour ça. Yes. Gen san malheureux k'ap couler chaque jour. Gen des malheureux k'ap vivre dans quartier populaire ou bien des malheureux qui nan kay pay. Qui pa gen d'eau, qui pa gen manger, petit qui a souffri. Oui. Petit groupe de 250 nèg oui, pour ça. Juste 250 nèg dans la non men. En plus c'est démocratiquement faut nous péter fiel nèg yo. Aïe, 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 c'est le là qui est sans filtre.
laisse ça nous dire, peuple. Hein. Mais, c'est le. 250 nous avons tout droit nous pour nous bataille parce que c'est un groupe de nègres qui est bon système. Et nous-mêmes, nous disons, nous ne pas accepter en tant que haïtiens. Nègres, c'est haïtiens, même j'ai avec nous. Ils n'ont pas accepté mon système pendant que le système n'a fait nous-mêmes mal encore. Nous pas bâillons mandat. C'est devoir nous, c'est droit nous pour nous camper, pour nous goumer. Pas gagner contre ça. Pété fiel, nègres. Ça, c'est le gars. Jodian nous dit, nègres, ça n'a aucun mandat, aucun barrage que vous mettez sous sol là. Il n'est pas légitime et il n'est pas légal. Nègres, ça n'a aucune légitimité sous sol haïtien. Que tout haïtien mette griffes ensemble pour dire, débarrasser des nègres. Mais nègres, ils ont une technique qu'ils fait là. Ils ont payé un groupe nègre de la police là pour comme s'ils font pression sur le peuple là. Et c'est ça qui a passé là le moment. Faut la police là ressaisit. Non, laisse ça. Gombayolo, la politique de l'isolement. Ok. Indiqué de façon publique, nous allons identifier à qui nègre a servi pour faire répression sur le peuple là. Ok. Et nègre, ça a eu, on a fait au connaître, on continue. Et là, toute bagaille fin faite, qui a prévoqué. Et non seulement il a prévoqué, la justice a prélé. Ça veut dire que policier, n'importe pression, qui a posé action ça yo. Si et pas tout policier. Okay. Et pas tout policier. Mais en général, l'opin des institutions, concours institutions militaires et policières, c'est des institutions qui fonctionnaient au niveau de commandement. Qui est-ce qui bat l'ordre là? Ok. Comment oligarque a fonctionné et de chercher un commissaire divisionnaire, il prend contrôle. Il cherche deux trois inspecteurs. Mm-hmm. Il fait au cadeau Nissan Patrol. Mm-hmm. Fait au cadeau un petit cas dans Delma. Et puis il gagne contrôle commissaire. Et ça à travers commissaire la bailot. Mais policier a pas qu'on implication politique ça qu'a fait là. L'obéit l'autre là. Donc faut pas mettre tout policier là-dedans. Faut garder qui nègre comme commissaire que oligarque acheté. Cap bailot dans ce peuple. Cap bailot qui pas légal et qui pas constitutionnel. Cap bay sécurité à des moun qui pas légal et qui pas constitutionnel. Okay. Regardez ça nèg yo fait l'autre jour là à côté AVC volé comme dans Banque Nationale de Crédit mon cher qui sont banque l'État. Oui mais regardez c'est le DCPJ fait nous paraître les dents pile pendant que tout moun sa yo qui gen rapport yo voye bay DCPJ pour arrêter yo. DCPJ nous vient nous constater que DCPJ c'est un regroupement bandit, c'est un regroupement gang, c'est un regroupement qui criminel. Non, mais la question qu'on doit poser c'est tout. Oui. Est-ce que gon l'autre qui sorti dans le ministère de la justice qui dit DCPJ va arrêter? Non mais DCPJ sont bah, depuis j'ai eu d'échanger commissaire. Depuis j'ai eu changer commissaire gouvernement ouais qui commissaire gouvernement yo mettez pour ne pas arrêter. Et ça li important pour nous finir de Stanley Lucas. Bon après rappel. Ou bien qui soyez. Et pas par accident, nous faut mettre Miskaden, commissaire de Port-au-Prince. Commissaire Miskaden. Gardez pour que nous mettez commissaire Miskaden pour commissaire de Port-au-Prince, qui est du commissaire d'Okaï. Si Miskaden, lui-même, al mette là, on nous prend ça comme exemple. Pour un commissaire non, Miskaden pour Port-au-Prince. Pour mettre lui, il faut un ministre de la justice solide, lui, qui est à la fois ministre de la défense. Mais c'est ça, m'a pas le tout. Parce que qu'on mette le Port-au-Prince. Pour moi ça c'est pas bien corrompu là côté que le commissaire Miskaden hier. Et bon. Mais pourquoi j'aimerais commissaire Miskaden arrêter un nèg corrompu dans zone ni. Si commissaire Miskaden était commencé mettre pied là t'es arrêté des nèg corrompu, nèg qui connent bay zam, c'est pas parce que commissaire Miskaden pas connaît qui est qui connent bay zam, pas connaît qui est dans direction parle là qui bay zam. Jodian commissaire Miskaden campé oui sous crise justigenio. Mais prend commissaire Miskaden à mettre le bord au prince même bagarre là bay. Il va frapper justigenio seulement. Si lui même pour montrer nous que vraiment l'a frapper nèg qui a versio. Faut qu'il commence la juridiction par là, arrêter nèg qui avait sio. Mais l'emport au prince, c'est même nèg azam n'a pas d'une fois payé. Ça va augmenter aussi une sécurité dans le pays. Faut nous retirer nèg azam. Mais quand il y a bandit à cravate là, moi, c'est lui même pour commissaire Miskaden a commencé à toucher. Je dis, c'est pas juste dit bandit à cravate. Je dis que nous prenons, nous quittons le côté qu'il était là, venir mettre l'emport au prince. C'est pas en série qu'il va venir régler des plus. Bon, il va le mettre au prince. C'est vrai. Mais gros tête que nous même nous voulons pour yo prendre yo. Yo li pa pran yo. Bon, l'autre bail pour analyser que un phénomène que beaucoup ka comprendre que besoin comprendre. Moi même tout. Et phénomène ça c'est comment c'est des nèg noir, femme noir, classe moyenne reste avec oligarque. Même d'où reste avec, pas reste avec ordinaire, non? On pas comprendre ça. Des socioprofessionnels qu'à l'école journée aujourd'hui, yo reste avec oligarque crasse des pays amen. Yo reste avec Dimitri Vob, yo reste avec Jean-Marie Vob, yo reste avec Reginald Boulos. Cap crasse des pays. Automatique. Moi-même, et peut-être ça, moi-même toujours dit. Moi-même toujours dit, Stanley. Commissaire Miskaden a fait un bel travail.
Sauf que l'autre analyse là, pour analyser et réseaux de Paul Kassia. Ça n'a pas les de l'autre là. Pas de problème. Stan Lefrem, merci pour l'intervention à l'émission. Et puis, nous vraiment contents. T'es gagné avec nous dans Boston TV. C'était Stan Lelika. Eh bien, il était extrêmement important pour nous, pour noter l'émission ça, parce que il y a un pile causé, et naturellement, qui parlait en dedans émission ça. Nous avons trouvé le nécessaire pour que nous et revoyer. Alors, faire autant de émission Stanley Kassa. Son véritable combat, nous lançons là-dedans, c'est combat pour libération paysan. Eh bien, nous dit, faut que nous fassions. Ancien sénateur Guy Philippe parlait dans une émission que nous devons partager ensemble avec vous. Nous estimons qu'il est important à nous courir dans le nom. Et je dis à la, c'est même Mounzaï. Sénateur Guy Philippe. Qui baille ça, Mounzaï. C'est même Mounzaï. Qui a encouragé les gens à faire. C'est au même encore qui a plongé d'ouest, qui a dit, mais tel qu'il a dans le mec. Non. Tout ce qui a fait là, c'est question et politique. Et l'ONU lui-même, c'est dommage qu'elle prête tête à ça. Pour quelques petits jeunes garçons, jeunes filles, ambassade américaine, venir, ils vont là avec même les droits de l'homme, toujours à parler, même ils ont même été assassinés. Caractère président Jovenel en vain, c'est même eux-mêmes qui ont fait un rapport et eux-mêmes sont venus autour des experts des Nations Unies et font rapport sous question gangstérisée. Mais tout le monde connaît que je vais faire un examen, tout le monde connaît que je vais supporter les gangs dans le pays. Tout le monde connaît que depuis que je suis venu, je parle de révolution pacifique. Et depuis que je suis venu, je dis que le peuple a vaqué tranquillement à l'occupation. Mais qui ça là qui fait que je suis libre, que je t'ai aimé, pour dire que Guy Philippe est contre la gang? Que Guy Philippe est un bon naïf? Parce que marcher à pied Raboto, parce que marcher à pied Dekao, nous sommes citoyens. C'est Pepo. Pepo. C'est au moins seulement de gagner ici. Donc, vous voyez monter ça, tout le monde, tout le monde connaît. Il y a l'autre monde qui est l'ambassade américaine avec classe et politique noire. Et bien, il y a un oligarque et senti que le pays capte de l'île. Il n'y a pas aucun monde qui peut faire ça à tout. On ne peut pas faire ça au sérieux. Tout le monde toujours dit les Américains, ils n'ont pas jamais dit bagaille, c'est pas une preuve. Donc, si vous mentionnez ou en connivence avec gang, bien sûr, ils ont une preuve, ils ont un bail quelque chose, mais ils ont un sénateur. Américain dit Saddam Hussein a une arme de destruction massive. C'est une preuve? Américain dit c'est Haïtien qui est possible dans le monde. C'est une preuve? Quand on se tape bagarre depuis Américain, c'est quelqu'un pour eux. Ils ont été kidnappés là, comme sénateur de la République. Ils ont été visés pour trafic de drogue. Côté, ils vont vous retirer pour éviter l'argent. Donc c'est ça seulement vous faites, bah, menti. Des informations pour vous faire intérêt au passé tout le temps. Et vous trouvez joindre des traits de l'intérieur qui vous aider à faire ça ou vous passer à passer. Mais Américain, c'est ça seulement, bah, c'est menti là, bah. Est-ce que c'est confirmé, sénateur, et la police nationale t'a débarqué quand ils ont membre frein dans Jacques Mel, bien sûr, n'a pas de Chelson Sanon, ou bien quelques informations sur ça, notamment ça a circulé sur le réseau matin. Oui, c'est vrai, Mbala Chelson, c'est vrai, ils ont entré la Kali, ils ont crasé Kali, ils ont paniqué la Kali. Tant qu'ils ont paniqué, ils ont l'autre membre frein dans Okaï, dans le sud, hier, qui ont obligé de quitter la machine Negoui. Donc, ce campagne d'intimidation qu'a fait. Pour nous faire lâche, pour nous faire bac. Mais ça va pas fait. C'est fait contre la qui a besoin. Ça montre que nous avons raison dans l'union. Ça montre qu'il faut continuer à mobiliser et continuer à demander au gouvernement de transition imposé par les États-Unis ça, pour marier Paquetti, Alfred Outli et quitter Haïti, jouer une chance pour choisir Moun, livré et diriger Moun qui vous mène dans la route et développement durable. Donc oui, c'est vrai que nous commençons à faire là, il y a attaqué et Jean-Tel Joseph et Nabiol. Côté de la vie, il a parlé en conférence de presse, il a attaqué Michel Sansanon, il a attaqué l'autre citoyen en Okaï, c'est ça seulement à faire. Et on campagne d'intimidation tout partout, comme quoi le monde va devoir manifester. Sous manifester, il y a un carré. Donc, en quelque sorte, mouvement ça, son mouvement contre tout le monde qui est associé avec, en fait. Non, son mouvement contre tout le monde qui pensait que Haïti son pays toujours. Tout le monde qui pensait que Haïtien cap vive bien la caillou, tout le monde qui veut changement, tout le monde qui a aimé vivre dans le monde, c'est ça qu'a fait là. Yo pas voulu nous dire que c'est mon noyé, yo pas voulu nous demander changement, yo voulu continuer piller ça et dans ce sol noir. Au point c'est son hasard
que tout côté a fait pour nous dehors, quel Solino, quel Matissan, quel Truitier, quel Carrefour, c'est côté que nous gagnons richesse en bas sous sol loin. Son équipe nègre qui besoin de voler toute sa mienne. Misère nous pas important pour eux. Si mon niveau pas à l'école, pas important pour eux. J'en ai vivre la humiliation, n'a pas tout pas important pour eux. C'est ça qui est important pour eux, c'est intérêt. Et vous avez assez haïtien tchoul, sous-sous, qui vous aide à Québec pour voir en Haïti. C'est ça qui a passé aujourd'hui. Situation li paraît très, bon, pas dit compliqué, mais les antigens paraît inquiétant. Parce que, vu pour la police, même dit la police, parce que je dis, nous ne savons pas qui moun qui dans le pays. Donc, c'est-à-dire, n'importe qui n'est cagoulé débarqué sous, ou pas si c'est la police, ou pas si c'est mercenaire. Donc, mercenaire, ou pas un pitié pour moun, même c'est crasé, crasé, brisé. C'est un petit peu très inquiétant. Est-ce que c'est normal pour les sénateurs non payants pour nous gagner des mercenaires qui sont dans le pays? Donc, pas de personne qui connaît ça. Donc, c'est jodi, on a connu que nous avons des étrangers qui sont sous sol là. Et nous avons plusieurs mois, et pour ne pas dire années, si nous disons là depuis sous Ariel Henry, qui est sous sol là, nous ne connaissons pas. Ça semble CPT, en tout cas, nous ne connaissons pas. Parce que nous avons demandé pour Gary Conny, tu as passé pour venir répondre à une question. Bon, on connaît tout pouvoir ça, c'est pouvoir que les États-Unis imposent. Que le CPT, que le Gary Conny. Mais Gary Conny, lui-même, il pensait le plus intelligent. C'est lui qui fait mon opinion. Ensemble avec Carlos Hercule, ensemble avec le ministre des Affaires étrangères, ils ont fait tout pour nous entrer en Haïti sous presse. Je dis à que les aucun BO, ils ont dit c'est pour venir entraîner la police. Mais tout le monde connaît qui s'appelle venir faire dans le pays. Nous faisons une expérience pour nous comment on a été traité président de la République, président Jovenel Moïse. Donc, le gouvernement, si, en cache, ou fait mon armé rentrer dans le pays, ou connaît son faire illégal. Constitution va avoir droit à ça. Ou pas qu'à mener moun comme ça armé dans le pays. Donc, le Premier ministre a violé la loi. Il a violé la Constitution. Et l'État nous-mêmes, au lieu que nous avons campé pour nous dire nous-mêmes comme peuple haïtien, au lieu que la communauté internationale et moun qui a défendu la loi, moun, ta campé pour nous dire ça va de fait. Ils ont tout à défendre ça illégal. Ils ont tout à défendre ça bon. Parce que c'est là, à Séparé. C'est là qu'il a fait vicieux, c'est là qu'il a fait beurre sur un peuple qui a passé misère. Alors qu'on y a là, des fois on va aller, des fois on a défendre, des fois on compte transition ça, on joue dans la gang. Si moi des fois bon commission vérité, pour jeune garçon, jeune femme ça, dans le quartier défavorisé ça, comme toujours moi dis, pas paniquer le peuple là, pas paniquer le peuple là, pas craser le peuple là, nous disons tout le temps en public. Alors des fois on dit, il faut bon commission vérité, pour aider à comprendre la complexité du problème. Il faut bon commission vérité pour nous connaître. Côté les âmes, ça vous sortit. Côté l'argent qui l'a venu faire. Qui est-ce qui est en tête? Qui est-ce qui m'a fait mal? Si nous demandons, il faut que nous connaissions vrais coupables, vrais assassins, président Jovenel. Alors ça fait de nous des criminels, ça fait de nous des nègres qui ont collaboré avec gang. Moi, mettez n'importe où dans le défi pour montrer que nous-mêmes nous collaborons avec gang. Mettez n'importe où dans le défi pour montrer que nous-mêmes nous débattons gang. Dans un même gros mois, dans le pays, l'homme nous a dit de Gonaïve. C'est là qu'il a fait kidnapper. Il a fait 6 ans et demi dans prison, comme sénateur de la République. Alors je dis à la, il voulait pour me faire mes bouchons. Pendant que le peuple m'a mouru, pendant que tout le monde va à l'école, pendant que le monde va à vaguer à l'occupation, pendant que le paysan, ça que le paysan fait dans le sud, dans le plateau central, dans la Timonie, c'est là, c'est pourri. Parce que pas de route. Côté 2-3 graines, il a profité de misère, de insécurité, mettre des bateaux, des milliers de dollars américains pour traverser en machine de l'ouest. À sud, ou vice versa. Alors, c'est ça, oui. Je voulais vous faire un bouchon devant toute injustice, ça. Donc, ça va faire. Donc, et nous va supposer que ça va faire. Donc, pour continuer mobilité. Donc, si vous attaquez tout membre qui sont censé travailler ensemble avec vous, membre qui est responsable dans différents coins dans le pays, bien sûr, il y a privé sous tout en personne, sénateur. Ou pas inquiété? Moi, j'ai toujours dit, bataille pour sauver un pays, il y a un risque. C'est un gros sacrifice lié. C'est pas parce que les gars forts ou les gars qui ont été écrasés ou même fait lâche. Moi-même, je crois dans la tête, je crois dans l'équipe, je crois dans le peuple. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas croiser les bras. Et moi, les peuples-là, si je peux croiser les bras et accepter des ordres, il y a moi quelqu'un qui est rentré, a écrasé tout le bureau, Jean-Del Joseph, devant charger les gens. Et vous croisez les bras et vous regardez. Les haïtiens acceptent trop de bagailles. Il faut que les haïtiens campent. Réclamer, exiger changement.
Si vous quittez Mounio, à faire des choses, vous n'avez pas de figure, vous ne dites rien. Et vous, vous avez mis la campagne pour la bataille pour vous. Si vous quittez assassiner Mounio, si vous quittez Krasé Jantel, ou bien Krasé l'autre monde, Krasé Chelson, Krasé La Planche, j'ai offert hier soir. Si vous acceptez de quitter le croisé bras, et vous plein seul, vous ne dites rien. Il y a continué. Donc, fuck peuple là, fuck jeunesse là, fuck nous prenons responsabilité. Suspend Chita et Ton et gardez belle merveille. Leader, ça, on a sacrifié vie pour nous. Cap prend risque pour nous. Il y a besoin d'appui. Il y a besoin de support. Il faut que nous campions avec eux. Il faut nous dire non. À ça que pas supposé faire dans le pays. Il faut nous vivre en Haïti. Nous avons le droit pour vivre dans le monde. Nous avons le droit pour vivre avec dignité. Il faut que nous changer ça. Justement, et nous sommes contents. Prenti extrait ça l'intervention, comme Anna Philippe fait, la réémission qu'il participe hier. Nous avons bien pour nous retourner avec full émission hein, pour. Et pour aujourd'hui, à nous camper là, ensemble avec vous, nous remercions chaque grand nous qui t'attendait et garder l'émission. Hein. Nous remercions Haïti, chéri nous, hein. Pays nous. Continuez à prier pour Haïti, continuez à gommer pour Haïti. Parce que si nous calons chaque jour, c'est que gain espoir. C'est parce que nous avons gain espoir. Oui, gain pika kouena. Oui, route la difficile. Bataille pays pas jamais facile. Son pays qui n'a pas pris, il mette là, dans environ 38 l'année. Il détruit. Nous même n'ap goumen pour nous remettre pays à caper sous pied. Li pa dap ka fèt du jour au lendemain. Merci en pile tout le monde. Bon Dieu bénis nous. Kebela.